Des mots pour se dire. Apprendre, c'est se surprendre. Apprendre, c'est le bonheur. J'en sais plus, donc je suis plus. Pardon. Apprendre, c'est avancer. C'est retrouver de la dignité. Bonjour. Bonjour à nous. Bonjour à nous. 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 Nous souvenons-nous de nos peurs. De nos peurs. De nos peurs avant de savoir. De nos peurs avant de savoir lire. De nos peurs avant de savoir lire l'inconnu. La pièce éteinte. La boîte fermée. La voiture sans clé. La serrure qui renferme tous les secrets, le meuble en quitte à monter, de nos peurs avant de savoir lire l'être, l'étranger, l'être minuscule, l'être majuscule, de nos peurs avant de savoir lire le monde. Toutes, tous ici autant que nous sommes, avec nos histoires, nos différences, nous sommes des survivantes et des survivants de ces peurs. Nous sommes de ces époques obscurcies par le manque d'encouragement ou le manque d'amour parfois, de ces situations de rabaissement au travail et dans le couple. Et nous avons toutes, tous entendu ce proverbe. Il faut savoir lire entre les lignes. Alors on l'a entendu, mais qu'est-ce qu'on a appris ? Lire entre les lignes. Lire entre les lignes que d'autres ont écrites avant nous. Des lignes que d'autres ont écrites pour nous guider, nous protéger dans la vie. Pour nous projeter dans l'avenir, oui, mais pour nous emprisonner aussi. Nous brimer, nous brider parfois. Et si nous, les gens, trouvions l'énergie de réécrire les proverbes, et si se tenir debout, allumer une bougie même chancelante, était le nerf de la guerre intérieure, et si nous reprenions le pouvoir sur l'existence, quand nos lignes dévissent, vite, reprendre la main, reprendre l'humain, écrire nos lignes de vie dans le sillon de nos possibles, entre les lignes des autres, il faut savoir lire sa ligne, ne pas s'oublier, ne pas s'aligner, mais souligner qui on est. Lire, écrire, dire, ne pas rester dans la marge, avoir la voix au chapitre, laisser sa trace, rester à la page. Écrire, c'est pas facile, la preuve, on y laisse des plumes. Mais le défi, c'est d'être à la hauteur, hauteur de sa propre vie. Parfois, la vie nous en met plein la courge, mais pour éviter les courjus, pour dépasser les courroux, il va nous falloir nous nourrir de courage. Comme un brin d'herbe qui lutte pour ne pas sécher en été, nous voulons que nos noms brillent, que nos noms s'écrivent, que l'herbe vibre au rythme du verbe libre. Liberté, nous voulons sortir de l'ombre. Liberté, nous écrivons ton nom. Et si nous voulons réussir, nous ne laisserons personne sur le côté. Impossible d'y aller à moitié, ça ne marchera qu'en nourrissant nos amitiés. Il nous faudra regarder, observer, défricher, déchiffrer fidèlement le défi difficile d'un tas de feuilles défilant. Les images vont trop vite, à en rester bouche bée, bée à bas, après tout, bée à bas, comme si nous étions bébé et baba, le Babil titubant hébété à tenter de décrypter des bouquins. Les tours de Babel, les manuels de survie à Babylone, pas passer pour un bêta, mais dynamiter la vie comme un attentat. Juste être soi, modeler l'argile du temps, devenir maître de l'espace et du sens. Tant de questions nous brûlent les livres d'impatience. Nous sommes toujours des explorateurs, sans grande expérience, cherchant à décrypter l'univers de ces paraboles, toujours émus de dire et de prendre ici ou là la parole. Au milieu de la virée, il nous faut nous river au navire pour ne pas dériver, mais à travers ce petit mouvement de l'œil, nous sommes capables d'allumer tous les soleils. Avant, je demandais à ma femme, mais ça, c'était avant. Avant, je disais toujours « Désolé, j'ai oublié mes lunettes. » Avant, mon stylo était plus lourd que ma pioche, mais ça, c'était avant. Avant, c'était la honte, mais ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant ? Avant, c'était décevant ? Non. Avant, c'était devant ? Non. Avant, c'est avancer devant. Avant, on se demandait « Qu'est-ce qu'il est vrai ? Qu'est-ce qu'il est faux ?» Fallait faire avec les phobies, les faux plans, les faux plans, les faux pas, les faux pas, les faux pas ci, les faux pas ça. Et un jour de grâce, ouf, rencontre avec le LEFOP. Et quand le bon moment arriva, via les bons réseaux, les bons contacts, quand il fut question de se jeter à l'eau, le LEFOP, pour penser les cicatrices, être acteur de sa vie, passer à l'acte suivant, dans le petit théâtre du réel, écrire sa scène, son personnage, la première fois, la boule à l'estomac, la foule d'angoisse qui fracasse le crâne, la houle qui souffle l'envie de prendre le large. Cap sur l'apprentissage. Apprendre
le tissage des mots pour déployer l'étoile de sens, étouffer les vieux démons, étoffer le monde d'un fil et du chat d'une aiguille. C'est de cette rencontre qu'on est issu. Ici, maintenant, dépasser les jugements, oser s'exposer, ne plus exploser, prendre le pouvoir. Lire le journal, pouvoir. Lire une carte, lire les panneaux routiers, pouvoir. Lire le menu du resto et choisir sa carte. Choisir, pouvoir. Remplir l'échec, pouvoir. Reconnaître son nom de parent d'élève dans la liste, pouvoir. Laisser un mot sur le livre d'or, pouvoir. Réveiller le livre qui dort, pouvoir. Retirer, compter, dépenser, donner de l'argent, pouvoir. Jouer au casino, au poker, sans se faire plumer, pouvoir. Payer ses impôts, pouvoir. Déchiffrer les formulaires administratifs, médicaux, pouvoir. Lire une ordonnance, lire une ordonnance. Non, non. Ça, c'est impossible. Pardon, les médecins écrivent vraiment trop mal. Pouvoir répondre à un questionnaire. Pouvoir remplir la case autre. Remplir la case être. Pouvoir. Apprenant, apprenti, accompagnateur, citoyen, nous sommes toutes et tous un peu ambassadeurs, embrassadeurs, maillons prêts à nous déchaîner pour faire prendre la maillot, embrasant le monde de nos désirs de dire « c'est possible ». Nous pouvons nous battre contre l'illettrisme, contre l'illettriste, contre l'illettriste, à la rencontre des gens pour guérir les mots. Nous sommes beaux comme des capitaines de nos propres navires. Nous sommes fiers comme des présidents de nos vies, magnifiques comme des empereurs. Car si nous savons lire, écrire l'avenir de l'empire du soi, nous sommes capables de laisser toujours le pire derrière soi pour devenir soi en meilleur. Nous sommes capables de graver nos noms dans les sables du temps, tracer nos sentiers, dessiner nos destinées, chemin par chemin, lire, chemin par chemin, écrire, chemin par chemin, des mots pour se dire. Le LEFOP a changé ma vie. Avant, je dérouillais. Maintenant, je sais me débrouiller. Aujourd'hui, je suis fière, j'écris au travail. Lire, c'est dur, mais c'est possible. Il faut le dire aux inconnus. Bonjour à toutes et à tous, c'est pas facile de prendre la suite. J'aimerais bien que mes acolytes soient à côté de moi, Odile, Isabelle, Hélène. Voilà. Quelques mots au nom du collectif qui a organisé cette journée. Tout d'abord, un grand merci aux slameurs. Vraiment un grand merci à Bastien, artiste slameur, et aux ambassadeurs du LEFOP. Vous en saurez bientôt un peu plus sur ce que ça veut dire, ambassadeur. Donc aux ambassadeurs, Mohamed Azouz, Sabrina De Palma, Victor Alves, Rosa Serrano, un grand merci. Merci à eux parce qu'ils nous permettent de commencer cette journée où on va parler d'illettrisme en entendant d'abord les mots de ceux-là qui la vivent, cette situation. Cette journée prend place dans la 5e édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, portée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Anne Mességuet sera là tout à l'heure pour nous présenter ce dispositif. Alors, trois acteurs bien complémentaires sont à l'origine de cette journée. Le LEFOP, Odile, Odile Duvig et l'équipe. Iris, le centre ressources de l'Isère, Isabelle Kraft et son équipe. Et puis la bibliothèque municipale de Grenoble. Le LEFOP, une association qui accompagne depuis 30 ans des personnes en situation d'illettrisme. Iris, un centre ressources qui oriente, qui forme, qui informe. Et la bibliothèque de Grenoble, bien représentée ici, merci, qui se confronte au quotidien à la complexité et à la diversité des chemins d'accès à l'écrit. On essaye de conjuguer nos actions depuis de nombreuses années, mais il reste beaucoup à faire pour que la question de l'accès à l'écrit, la question des droits culturels pour chacun, soit un peu moins complexe. Ainsi, l'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'illettrisme et particulièrement de questionner nos pratiques
professionnelle. Après deux éditions, les deux années précédentes orientées par un blog grand public, hein, puisqu'on était installé avec un chapiteau au Jardin de Ville, cette année, nous avons fait le choix d'une journée professionnelle, interprofessionnelle. Le sous-titre est vraiment là pour préciser notre démarche. Agissons ensemble. Sont ainsi réunis ici des bibliothécaires, je vais commencer par ma famille, c'est pas très courtois, des formateurs, je prends ma liste, des animateurs d'actions sociolinguistiques, des accompagnateurs bénévoles, des enseignants, des intervenants dans les domaines du social, de la santé, de l'éducation. Je crois qu'on a réussi à avoir un beau mélange dans cette salle et j'espère que nos échanges seront à l'image de cette diversité. Mais pour agir, nous, professionnels, il nous faut comprendre. Et pour bien comprendre, il ne faut pas tout mélanger. Et aujourd'hui, avec notre invitée, Anne Vinerrier, bonjour Anne, nous faisons le pari de l'éclaircissement. C'est un pari audacieux. Mais son exigence, sa grande capacité à faire entrer les mots en résonance, le lent et long travail qu'elle conduit avec les personnes en situation d'illettrisme, elle va nous faire partager tout ça. Bien comprendre pour mieux agir, éviter les à peu près, éviter les médiations fourre-tout, identifier les leviers, éviter les écueils, et encore et toujours identifier les enjeux citoyens, professionnels, sociétaux, politiques de la lutte contre l'illettrisme. Voilà à quoi nous vous convions. Donc le LEFOP, le centre de ressources, la bibliothèque, poursuivent leur engagement. D'autres partenaires cheminent avec nous. Un certain nombre présentent leurs actions dans la bibliothèque centre-ville et vous pourrez continuer à aller voir leur stand une fois que la conférence sera terminée. Je tiens aussi à remercier de leur soutien financier la Métro, le département de l'Isère et puis bien sûr un merci important à la ville de Grenoble qui nous a permis de consacrer du temps et d'allouer des moyens à l'organisation de cette journée. Merci à vous et je laisse la parole à Anne. Merci Annie. Je vais commencer avec cette diapo qui est sur le fond que vous voyez. Alors peut-être que vous ne voyez pas tout à fait les paroles. Ça va au niveau de la voix ? Il faut que j'approche un peu plus. Vous m'entendez là ? C'est bon ? Alors, je ne sais pas si vous voyez ce dessin qui a été fait par une apprenante du LEFOP. Alors que nous menions une recherche avec des personnes en situation d'illettrisme, on les appellera des ambassadeurs du droit de réapprendre. Ils prendront la parole au cours de cet après-midi et nous présenterons la chaîne des savoirs un petit peu plus tard dans l'après-midi. En tout cas, ce dessin a été fait alors que nous nous posions la question « Pourquoi c'est si difficile de réapprendre ?» quand on a été scolarisé et qu'il faut franchir le pas pour pouvoir écrire sa ligne. C'est pas facile d'aller écrire sa ligne quand on a été exclu du savoir. Donc ce dessin a été fait par cette femme qui ne savait pas encore lire et écrire, mais qui a explicité le chemin qu'elle était en train de faire en venant au LEFOP. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez sur ce dessin. On va essayer d'être un peu interactif pour que ce soit... On est deux heures ensemble, c'est quand même un peu plus sympa de pouvoir échanger. Qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin ? On ose, comme les apprenants qui vont oser tout à l'heure, les ambassadeurs. Un long chemin, oui. Un tracé. Un grand saut, oui. Un envol. Vous voyez des couleurs ? La lumière et de l'autre côté ? Ah oui, d'accord, oui. Et ici, en bas ? Oui, un adulte qui porte des enfants sous ses bras, sur son dos. Et en bas, une zone un peu sombre, informe. Eh bien, cette femme a écrit, a dessiné le mythe de la caverne, sans le savoir. Et elle a exprimé le chemin qui va de l'ombre à la lumière. Pour réapprendre à lire et écrire, il faut passer de l'ombre à la lumière. C'est pas simple. Ça demande du temps. Elle a écrit, elle a fait écrire. Donc, ses enfants ont dessiné sa pensée. C'était extraordinaire avec ces couleurs-là. Ils ont été très fidèles à ce qu'elle voulait dire. Et elle a dit, dans la zone plutôt sombre, dans la caverne,
Ne pas savoir écrire, ni lire, ni compter, c'est vivre dans l'obscurité. Et puis elle a tracé plein de chemins en disant il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller réapprendre, il y en a plein. Et puis il y a des voies sans issue et on se bute et il faut recommencer. Et c'est long pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle a écrit « Je cherche l'autonomie ». L'autonomie pour avancer dans ma vie, pour éclairer la vie de ma famille. J'ai envie de dire mon histoire, mon expérience, pour me libérer. Dire à d'autres personnes qu'on peut s'en sortir et avoir sa propre pensée. Merci Bastien d'avoir souligné ça, l'autonomie de la pensée, la capacité à prendre sa place. Vous voyez qu'on est bien au-delà de l'apprentissage de la lecture, de l'écrit, du calcul. On est sur d'autres enjeux. Bien sûr, quand elle dit ça, c'est qu'il y a plein de choses derrière. Il y a plein de choses en termes de dépendance. Il y a plein de choses en termes d'humiliation. Et puis l'apprentissage, ça permet petit à petit de reprendre sa vie en main, de prendre sa place, de faire son chemin, de prendre ses chemins et de pouvoir penser par soi-même. Alors c'est ce chemin qu'on va décrypter, mais en prenant ce zoom de l'accompagnement. Comment on va accompagner les personnes qui ont du mal à enclencher ce chemin? Et pour nous aider, on a 3 ambassadeurs qui sont là. On a préparé aussi hier soir, il y en a d'autres. On dit toujours qu'à la chaîne des savoirs, le mot ambassadeur, ça veut dire on représente les autres, on représente ceux qui sont comme nous, qui ont eu des difficultés pour réapprendre à lire et écrire. Mais on les représente et on les représente pour dire que c'est possible, ce que vous disiez tout à l'heure dans le slam, c'est possible de réapprendre. Mais vous êtes là surtout pour nous dire comment. Vous êtes là pour nous dire comment il faut s'y prendre. Vous êtes là pour nous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc vous prendrez la parole aussi sur votre expérience au cours de cet après-midi. Donc les ambassadeurs du droit de réapprendre, merci d'être là. Il y a plusieurs groupes en France, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. En tout cas, notre prise de parole aujourd'hui s'enracine dans la prise de parole des ambassadeurs, des personnes qui elles-mêmes ont décrypté leur histoire. Et l'ont décrypté dans un cadre de formation. Ça veut dire qu'on peut très bien apprendre à lire et à écrire en faisant de la recherche. On a fait un groupe de recherche. Aucun n'était lecteur quand ils ont démarré la recherche. Au bout de 2 ans, les personnes savaient lire, écrire à partir de leur production, à partir de leur pensée. Je dis ça pour les formateurs qui sont dans la salle parce qu'il y en a un certain nombre. Autrement dit, je crois qu'il faut nous permettre et nous donner la liberté de proposer plein de chemins pour apprendre à lire et écrire. Alors on va voir un petit peu comment dans cette notion d'accompagnement. Mais tout d'abord, parce qu'il y a des personnes ici qui peut-être découvrent la problématique, c'est toujours important de savoir de qui et de quoi on parle. Donc il y a un petit passage obligé quand même qui consiste à... Voilà ce qu'on va voir. Simplement resituer la problématique et le public en situation d'illettrisme. Alors, bon, vous en avez entendu parler, il y a les médias qui sont là, qui en parlent régulièrement depuis une semaine, enfin depuis quelques jours en tout cas, puisque c'est la semaine de la lutte contre l'illettrisme. On connaît des choses. Là, je zoomerai sur des aspects de la problématique, mais en parlant des personnes et plus particulièrement de leur contournement. Elles ont mis en place des stratégies extraordinaires pour cacher, pour ne pas dire. Alors, on verra quelle est l'intelligence qui est à l'œuvre derrière ces contournements. Et puis, on verra aussi les limites des contournements qui ont fait qu'à un moment donné, ça a basculé. Ils ont fait le choix de venir frapper au LEFOP pour apprendre à lire ou dans d'autres organismes, puisque dans la salle, il y a d'autres organismes de formation qui proposent un chemin de réapprentissage. Et puis, on prendra le temps de s'interroger sur réapprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le re, il est complexe. Le re, ça veut dire retourner, mais ça ne veut pas dire répéter, ça ne veut pas dire rejouer, ça ne veut pas dire, pardon, répéter l'école, ça veut dire rejouer sa vie autrement. Edgar Morin dit qu'il élève le re au rang d'un paradigme. Alors, ce sont des gros mots, comme je dis aux apprenants, mais c'est pour dire que le re, retourner, faire un chemin de retour sur soi, de retour vers les autres, c'est pas rien. Il faut du temps, on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut comprendre ce qui se joue derrière ça. Et puis, bien sûr, ça, c'est le thème, va dire, le filigrane de la conférence, accompagner. Et là, on se penchera sur accompagner comment.
On verra quels sont les freins, les leviers des ambassadeurs, des apprenants. Et ensuite, on se posera la question de nos freins et nos leviers. Parce que dans le fond, c'est aussi avec chacun d'entre nous que ça se joue. Comment nous sommes freins dans nos pratiques de travail, dans nos engagements, et comment nous sommes leviers dans nos pratiques et dans nos engagements. Ça pourrait être l'occasion d'un débat ensuite. Et nous prendrons un temps à nouveau à la fin avec les ambassadeurs pour qu'ils nous disent quel type d'action ils mènent au sein de la chaîne des savoirs. Et puis on prendra le temps du débat. Alors, petit sondage, illettrisme, analphabétisme. Pour vous, c'est quoi la différence? On ose, comme les apprenants osent, on ose. On a le droit de se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. Illettrisme? Oui? Personne. Scolarité en français? Oui. Et encore? Décodage, mais pas compréhension? Oui. Voilà, passer par le système scolaire, tout à fait, oui. Qui peuvent avoir oublié ce qu'ils ont appris à l'école, comme chacun d'entre nous, on a pu oublier des choses, oui. Et alors, avec les personnes analphabètes, l'analphabétisme, c'est quoi? Pas scolarisé. Moi, je préfère dire, ne sont pas entrés en contact avec l'écrit. Parce qu'on peut ne pas aller à l'école et apprendre. On peut avoir un tuteur chez soi. On peut avoir, autrefois c'était le précepteur, avoir été un tout petit bout à l'école, mais juste quelques heures. Je pense aux gens du voyage qui sont allés quelques fois à l'école, mais pas suffisamment pour pouvoir ancrer des apprentissages. N'ont pas été en contact avec l'écrit, pratiquement pas du tout, ce sont les personnes analphabètes. Il y en a qui sont en France, j'ai parlé des gens du voyage, il y en a d'autres qui viennent d'autres pays et qui viennent pour apprendre, qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre dans leur pays, qui n'ont pas été scolarisés, hein, pour généraliser, et qui arrivent en France et qui ont besoin d'apprendre. Et apprendre, c'est ben pas la même chose que réapprendre. Et puis, bien sûr, il y a une autre catégorie qui est, qu'on connaît tous, et dans notre jargon, on dit le FLE, français langue étrangère. Ça touche qui, les français langue étrangère, comme son nom l'indique? Oui. Voilà, scolarisés dans leur pays d'origine. Autrement dit, j'aime bien dire, ils ont la grammaire d'une langue. Ça veut dire qu'ils savent comment fonctionne une langue. Et c'est pas rien, une personne qui sait comment fonctionne une langue, avec une personne qui n'a jamais été confrontée à de l'écrit, c'est un monde. Il faut imaginer qu'il n'y a pas eu, notamment, l'école maternelle. L'école maternelle, c'est cette étape indispensable qui permet de comprendre comment fonctionne l'écrit, de comprendre ce que c'est que de l'écrit, de comprendre que ce qui est écrit a du sens. C'est pas rien. Eh bien, les personnes analphabètes ont tout ce chemin à faire. Et les organismes de formation qui sont dans la salle et qui travaillent avec des personnes analphabètes le savent bien, il faut construire du sens sur l'écrit. Il faut avoir des représentations de l'écrit. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes en situation qui sont allées à l'école, qui ont été en contact avec de l'écrit et qui, pour de multiples raisons, n'ont pas réussi à apprendre ou réussi à conserver leurs apprentissages. Soit dit en passant que quand on a oublié vraiment tout de la lecture et de l'écrit, ça veut quand même dire qu'il n'y a pas eu consolidation des apprentissages à l'école, parce qu'on ne perd pas tant que ça. On peut perdre une partie des savoirs, mais on ne perd pas la lecture, l'écrit et le calcul comme ça. Vous avez le chiffre, vous avez les chiffres sur la diapo. Alors l'âge d'abord quand même, parce que c'est intéressant, j'aime bien donner l'âge avant les chiffres. Pour vous, ça touche qui? Plus les jeunes, les adultes, les personnes âgées? Tous les âges? J'entends régulièrement, les jeunes sont plus en situation d'illettrisme que les plus âgés. Eh bien, faux. Faux. Les statistiques qu'on a sont celles de l'INSEE, concernant tous les âges. On a aussi les statistiques du ministère de la Défense. Les statistiques de l'INSEE montrent que les plus âgés sont plus en situation d'illettrisme, mais on peut le comprendre pour plein de raisons. D'abord parce que quand on n'utilise pas l'écrit, effectivement, il y a une déperdition qui se fait, mais il y a aussi d'autres aspects qui sont intervenus, par exemple des personnes qui ont vécu les guerres, qui n'ont pas été scolarisées pendant ce temps-là, même si ce sont les plus âgés, maintenant beaucoup plus âgés, n'empêche qu'on en a un certain nombre dans les lieux de formation, notamment avec les bénévoles,
quand il y a des bénévoles, puisqu'ils ne relèvent plus du droit à la formation pour tous, puisqu'ils ont dépassé 65 ans. J'y reviendrai, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Effectivement, tous les âges. Par contre, effectivement, il y a des nuances. Quand j'entends dire les jeunes sont plus illettrés que d'autres, ben non, ils ont plus de difficultés peut-être dans le rapport à l'écriture orthographe, mais pour d'autres raisons qui peuvent être culturelles, qui peuvent être aussi qu'on y apportait moins d'importance, mais ils ne sont pas plus en situation d'illettrice. Ils lisent différemment et autre chose. Tout à l'heure, on travaillera le rapport à la lecture et le rapport à l'écrit. Donc, tous les âges. 2,5 millions de personnes. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Mais je vais quand même apporter un bémol. 2,5 millions de personnes, c'est beaucoup plus. Pourquoi c'est beaucoup plus? Parce qu'on ne compte pas, ne sont pas comptabilisés les plus de 65 ans. Les 16-18 ans non plus. Or, le système scolaire s'arrête à 16 ans, l'obligation du système scolaire. Ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques-là, ça deviendra, mais les DOM-TOM. Or, on sait qu'en règle générale, on a des statistiques partielles qui montrent qu'ils sont beaucoup plus en situation d'illettrisme. Je ne vais pas donner de chiffres parce que c'est toujours un petit peu difficile de donner des chiffres partiels parce qu'il faut aussi donner des explicitations, notamment par rapport à depuis quand date l'obligation de la scolarité. Ça a quand même un impact. Pour avoir travaillé avec les îles, je mesure par exemple l'influence de l'esclavage dans le fait de pouvoir penser qu'on a le droit d'apprendre à lire et écrire quand on est descendant d'esclaves, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si vieux que ça. Ça fait jamais que quelques générations. Je donne juste cet exemple pour comprendre que il faut faire attention dans les comparaisons de chiffres. En tout cas, ils sont beaucoup plus en situation d'illettrisme. Ne sont pas comptabilisés les gens qui sont en prison, qui sont en centrale, en maison d'arrêt. Or, on sait, là aussi, dans des statistiques partielles, qu'il y en a beaucoup plus. Ne sont pas comptabilisés les gens qui ne sont pas sédentarisés, qui n'ont pas de domicile. Il y a les gens du voyage pour certains, quand ils ne sont pas semi-sédentaires ou sédentaires, ou les gens qui sont à la rue. Et pour avoir moi-même travaillé avec des personnes en situation d'illettrisme à la rue, je peux vous dire qu'ils sont nombreux à être en situation d'illettrisme. Donc, si on ajoute toutes ces populations-là, on est bien au-delà de 2,5 millions de personnes. Après, la question qui se pose, est-ce que c'est un concept statistique? Pour moi, l'illettrisme n'est pas un concept statistique. Ce qui pourrait être un concept statistique, c'est le rapport à l'écrit. Mais pas savoir lire, écrire, compter, c'est complexe, ça touche la lecture, l'écrit, le calcul, le rapport à l'espace, le rapport au temps, la façon de raisonner. Mais aussi aujourd'hui, on parle d'électronisme, donc le rapport à tout ce qui est médias, multimédia, l'informatique, etc. Et où est-ce qu'on situe le seuil, le cursus au niveau du seuil? Moi, je ne sais pas en donner. La notion d'illettrisme, elle est en rapport avec le degré de lecture, d'écriture nécessaire dans une société pour pouvoir communiquer à l'oral. J'ai pas parlé de l'oral, mais c'est aussi important. Mais communiquer à l'écrit, communiquer maintenant par les médias, communiquer par Internet, c'est pas si simple quand on ne voit pas, quand on ne comprend pas ce qui se passe entre les deux. Donc c'est complexe. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en statistique? Je ne le crois pas. Je préfère qu'on parle de réalité complexe, multidimensionnelle. Et puis, au lieu de parler d'illettrisme, on va parler de personnes en situation d'illettrisme. Et ça va me faire faire le basculement avec cette autre partie. On va donner la parole aux personnes concernées pour comprendre, parler de sujets singuliers, mais de sujets aussi qui ont des caractéristiques communes. Alors, pour commencer cette partie-là, je vais vous proposer de... Je voudrais quand même dire quelque chose juste avant sur la complexité de la problématique. Je voudrais dire que si les causes sont multiples, quand on parle avec les apprenants, ils parlent de causes familiales, scolaires, bien évidemment, mais pas seulement sociales, économiques. C'est tout ça qui la fabrique de l'illettrisme. C'est un ensemble complexe. Mais je voudrais surtout dire qu'en fait, le terme est une réalité qui pose une question politique. Que faisons-nous des personnes que notre système exclut très tôt? Quelle responsabilité collective avons-nous dans cet engrenage qui va conduire les personnes désignées à se cacher? Tout à l'heure, on verra comment elles cachent et elles se cachent. Quels moyens mobilisons-nous pour faire réellement avancer le droit d'apprendre ou de réapprendre pour tous? Je m'interroge beaucoup sur les réformes, mais y compris dans le droit à la formation pour tous, mais surtout dans la façon dont on finance la formation.
des adultes, et plus particulièrement la question de l'illettrisme. J'y reviendrai. Au-delà des annonces, des effets d'annonces faciles, on fait en ce moment des grandes déclarations, encore plus pendant la semaine de la lutte contre l'illettrisme. Parfois, je m'interroge, je me dis, faire trop de déclarations, ça fait plus de mal que de bien, parce que ça donne l'illusion que les moyens sont là. Il y a eu l'année de la grande cause de l'illettrisme, tout le monde pensait qu'après, on avait les moyens pour travailler, et en fait, les moyens diminuaient dans le même temps. Donc, c'est vrai que ça me pose la question, travaillons plutôt à la base, plutôt que de faire des grandes déclarations. Il faut des grandes déclarations, mais elles ne suffisent pas. La question, c'est comment on va renverser du haut vers le bas, pour aller du bas vers le haut, c'est exprès que j'emploie cette expression-là, pour aller de la caverne vers la lumière, pour construire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes ? Là, on va se recentrer sur l'ombre, la caverne. Et là, je vais vous lire quelques petites phrases d'apprenants qui sont devenus des ambassadeurs, avec ces mots que vous avez sur la diapo, qui nous interrogent sur l'enjeu du réapprentissage en arrière-fond. La personne qui ne sait ni lire ni écrire, c'est une personne qui est morte en elle-même. Le cerveau ne fonctionne pas. Le cerveau qui ne fonctionne pas est mort, en parlant d'elle-même. Quelqu'un d'autre qui disait « Je restais dans un monde isolé avec mon échec scolaire. Quand il fallait écrire une dictée ou une lettre, cela devenait un calvaire. » Quelqu'un d'autre qui dit « J'ai peur d'être piégé. Comme ça, je reste chez moi, pour pas qu'on lui demande d'écrire. » Ça interroge nos pratiques. Est-ce qu'on demande d'écrire aux gens dès la première rencontre, quand on les voit ? J'y reviendrai. Quelqu'un d'autre qui réfléchissait sur le décalage, qui disait « Je me sens en décalage avec vous et avec tous les gens qui parlent. » Et elle disait « Le décalage, c'est pour moi comme un mur qui se construit au fur et à mesure d'un échange verbal. Pour essayer d'enrayer, je coupe la parole. J'aimerais disparaître, devenir invisible. » Les inconnus dont tu parlais, Victor, tout à l'heure. L'intitulé qui était sous cette phrase, parce qu'on a analysé ensemble les chemins derrière ces mots, et ce qu'était le mot qui résumait, c'était « entre mort et vie ». Et en fait, en arrière-fond, on était encore dans le fond de la caverne, mais l'idée, c'est quand même qu'on a envie de vivre, on a envie de creuser un chemin, on a envie de frayer, de se frayer un chemin. Et puis, après, certains ambassadeurs ont expliqué le chemin qui va de l'ouverture à la fermeture, parce que quand on est ouvert. On n'est pas avec des blessures. Bien sûr, il y a la grossesse, bien sûr, il y a des blessures qui peuvent être pendant la conception, etc. Mais quand même, quand un bébé est né, il n'est pas encore fermé. Et pourquoi ce chemin s'est fermé ? Pourquoi il y a eu rupture du processus de formation ? Pourquoi il y a eu ce passage de l'ouverture à la fermeture ? Il y a un apprenant qui disait « La lecture vous a ouvert des portes que nous, elle ne nous a pas ouvertes. » Quelqu'un qui disait « Je me suis refermée sur moi à force d'entendre les profs dire que je ne comprenais rien, que j'étais une bonne à rien. À force d'entendre ma famille dire ne plus croire en moi. Je suis rentrée dans ma bulle, je n'en suis plus sortie, de peur que l'on me fasse encore du mal. » Les apprenants emploient beaucoup de métaphores. En voici une, l'huître. L'huître s'est fermée à un moment donné. C'est l'humiliation et la honte pendant des années. Voilà, il y a eu un processus qui va de la fermeture, de l'ouverture à la fermeture. Il y a eu rupture du processus de formation. La formation, c'est un processus. Ce n'est pas un moment T1 où on apprend des choses à un moment T2. Non, c'est un processus. Comment vous, médiateur, comment vous, formateur qui êtes dans la salle, comment vous, apprenant qui êtes dans la salle, vous allez réinitier ce passage ? Et puis, une autre chose auquel on ne pense pas, c'est dit avec les mots « absence de perspective », on a travaillé ces mots-là, quelqu'un qui dit « quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'apprendre, c'est pour la vie. Ça, c'est quand on vieillit. Quand on ne sait pas lire, on ne sait pas qu'on ne sait pas. » Ça vous paraît bizarre de dire ça. En fait, quand on ne sait pas lire, des apprenants disent « on vit avec », on ne se rend pas compte des portes qui sont fermées. On s'en rend compte, bien sûr, dans la vie, tous les jours, au fur et à mesure qu'on avance, mais on ne se rend pas compte de toute la réalité de cette fermeture des portes. Il y en a d'autres qui disaient « quand tu ne sais pas, tu ne montes pas de marche. »
Et en fait, la question qui se pose au fond de la caverne, c'est qu'il n'y a pas de marche, il n'y a pas de chemin. Si vous relisez le mythe de la caverne, vous verrez cette question des ombres. On est dans l'ombre, on ne voit pas les visages en face, il n'y a pas de main tendue, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, il se passe des choses dans cette ombre, parce que malgré tout, il y a déjà un travail qui se fait sur soi, parce qu'on est quand même confronté dans l'ombre à des difficultés, et les ambassadeurs nous en parleront tout à l'heure. Donc notre questionnement à nous, dans cette salle, c'est comment proposons-nous un chemin pour briser ce cercle du silence, de la fermeture, de l'absence de perspective. S'habituer à vivre sans la lecture, l'écrit, le calcul, ça façonne une façon de vivre, de s'organiser, ça modifie la relation aux autres. Donc il faudra qu'on s'interroge comment on peut réinitier ce passage. Alors on va zoomer sur les contournements, parce que c'est très intéressant de comprendre ce qui se passe dans les contournements. C'est quoi un contournement ? Moi, je préfère le terme contournement à évitement ou à dissimulation, parce que dissimulation, ça veut dire qu'on est sur le registre psychologique. Contournement, ça intègre une dimension cognitive, ça veut dire qu'il y a des stratégies, ça veut dire qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Quelque part, dans évitement, dissimulation, on désigne quelque chose en creux et non pas en positif. C'est quoi un contournement ? C'est une stratégie pour faire un détour, pour faire le tour face à un obstacle. C'est vrai que pas savoir lire, écrire, compter, c'est un obstacle pour certains actes, pour parler ou pour agir. Et pourtant, les personnes en situation d'illettrisme sont arrivées à 30, 40, 50, 60, 70 ans à vivre, à faire des choses, à répondre à des questionnaires, même si c'était difficile, à pouvoir répondre à minima d'un point de vue administratif. Mais comment ont-elles fait ? En fait, elles ont développé un type de savoir qui est signe d'une intelligence à l'œuvre. Elles utilisent leur imagination, la ruse, la discrétion, surtout la discrétion. Cette intelligence, cette dernière qui a un caractère vital. Il ne faut pas être démasqué. Les Grecs appelaient cette forme d'intelligence la métis. La métis, c'était utilisé par les hommes politiques, par les sophistes, par les artisans. La métisse fait intervenir tous les sens. Il y a une sorte de vigilance permanente. On verra avec les ambassadeurs tout à l'heure, ils nous diront quelque chose là-dessus. Il ne faut pas attirer l'autre, l'attention de l'autre sur sa difficulté, sur sa différence. Il faut s'organiser autrement. Le contournement fait partie de cette autre façon de faire pour déjouer ceux qui savent lire, pour déjouer quand ils viennent dans vos lieux d'accueil, dans vos permanences, dans vos centres de formation. Alors, on va proposer aux ambassadeurs, ils sont trois à être ici, quatre. Merci Brodo, merci Victor, merci Mohamed, merci Sabrina. Là, voilà. On a décidé, quand on a préparé cette conférence, qu'ils resteraient devant nous et qu'ils prendraient la parole avec le micro, parce que c'est plus facile. C'est pas facile de sortir de l'ombre. Mais c'est déjà que d'être là dans cette salle, c'est une façon de sortir de l'ombre et c'est un acte très engageant. Alors, est-ce que Mohamed, tu veux expliquer quel contournement tu as pris, par exemple, pour faire tes courses ? Pour faire mes courses ? Ben, quand je faisais mes courses et que j'arrivais à la caisse, oui. Donc il fallait remplir le chèque, ben, ça m'arrivait de me mettre un bondage sur la main. Et je leur disais, est-ce que je ne pouvais pas me remplir parce que je me suis blessé au boulot, que je me suis blessé au travail. Tu t'es blessé au travail, voilà. Vous entendez ? Oui, ça va. Donc, oui. Il faut mettre le micro très, très profond. Il faut le manger, le micro. Voilà. Quand je faisais mes courses, oui, voilà. Donc quand je passais à la caisse et il fallait remplir son chèque, donc je me mettais un bandage sur la main et je leur disais que je me suis blessé au travail et que je ne voulais pas remplir le chèque. Quoi. Voilà, c'est une forme de contournement où tu as analysé cette situation. Effectivement, quand on a une bande à la main, on ne peut pas écrire, donc forcément l'autre va se mettre en situation pour écrire à ta place. Tu regardais aussi autre chose avec les caisses qui remplissent les chèques ? Ben ouais, il y a des caisses où la machine elle remplit le chèque. Oui. Donc quand c'est comme ça, ben ça va bien. Mais il y a des fois où ça se passe pas comme ça. Oui. Donc il y a une fois où j'étais dans un magasin, j'ai sorti le chéquier, mais il rentrait pas dans la machine, ça passait pas. Il était trop large. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé ce qu'il fallait et c'est passé, quoi. Vous voyez, l'observation qui est à l'œuvre, on en reparlera tout à l'heure,
et tu as bien observé à plusieurs niveaux. Voilà. Donc c'est un exemple de contournement que Mohamed a utilisé. Sabrina, tu veux donner un exemple de contournement ? Pour moi, c'est aussi un problème de chèque. Pour remplir mes chèques, je mettais d'abord, pour mettre la somme, je mettais la première lettre et ensuite je prenais une écriture de médecin. Voilà. Et comme ça, ben voilà, ça a passé, quoi. Et tu mettais les chiffres en lettres, quand même. Oui, ça, je savais ça, faire, mais le reste, je ne savais pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une forme, voyez, le chèque, vivement que les chèques n'existent plus, hein, mais oui. Bon, y aura d'autres difficultés. Ouais. Comment tu faisais avec les écrits professionnels ? Alors, avec les écrits professionnels, là où je travaille actuellement, j'écris très peu. Enfin, comment dire, je fais des petites phrases pour être sûre de ne pas me tromper. Voilà. Et j'essaye surtout, c'est de m'imaginer, si je lis moi ce que j'écris, est-ce que la personne qui va le lire, les médecins ou les infirmières, vont pouvoir comprendre ce que j'ai écrit. Oui. Bon, alors maintenant, je fais ça. Hein, oui. Voilà, oui. Parce que j'arrive à écrire quand même un peu plus. Oui, voilà. Donc, on voit bien le chemin qui s'est fait. Voilà. Et quand j'étais vendeuse en boulangerie, j'avais du mal à écrire. Et du coup, je faisais souvent écrire mes collègues. Je disais que j'écrivais mal. Voilà. Et alors, j'écrivais un peu un brouillon, quoi. Mes lettres n'étaient pas vraiment formées. Et après, quand les gens partaient, parce que j'écrivais au crayon de papier, je gommais et je réécrivais comme il faut. J'essayais de bien écrire. Et tu demandais de l'aide à ce moment-là ? Ah oui, je demandais de l'aide. Alors j'osais mieux avec des jeunes qu'avec des personnes de mon âge. Voilà. Parce que souvent, il y avait un peu du jugement sur ce que j'écrivais. On reparlera du regard et du jugement. Voilà. Et quand l'informatique est arrivée au boulot, qu'est-ce qui s'est passé ? Au secours. Oui. Ben, j'ai démissionné. J'ai trouvé... Je suis partie parce que j'ai dit que je pourrais jamais y arriver, quoi. J'ai vraiment les difficultés de l'informatique plus l'écrit, c'était trop dur pour moi. Voilà. Il y a un moment donné, on verra, le contournement n'est plus fiable, c'est plus difficile, on peut pas contourner. Il y a des fois on peut contourner, des fois on peut pas contourner. Non. Donc là, malheureusement, la perte d'emploi, quitter son emploi de façon volontaire entre guillemets, c'est fréquent. Oui. Je suis restée 12 ans dans le même établissement et j'ai démissionné par rapport à ça. Et tu as expliqué pourquoi ton employeur ou pas ? Alors, j'ai expliqué, mais alors mon employeur, pour lui, ça ne lui posait aucun problème. Oui. Parce que, voilà, ça ne posait pas de problème. Mais pour moi, ça me posait un problème. Le regard des autres qui travaillaient avec moi me posait un problème. Mmh. D'accord, merci Sabrina. Ça, effectivement, ça ne suffit pas de démystifier l'écriture. Il faut quand même aussi que soi-même, on soit à l'aise avec la question du regard de l'autre. Transiger avec le regard de l'autre, ce n'est pas facile. Victor, tu veux donner un contournement ? Oui, je peux donner un contournement. Oui, ça marche. Chaque fois que je devais faire un chantier avec l'entreprise, je me débrouillais toujours pour arriver le soir au bureau, récupérer ou des plans ou demander à la secrétaire l'adresse du chantier pour le lendemain, pour pas que les collègues s'aperçoivent que je ne vais pas écrire. Donc, pour pouvoir le taper sur le GPS et arriver à la maison, quoi. Et qui est-ce qui rentrait les données dans le GPS ? Ben, je demandais à ma femme ou à mes gosses. Voilà, la femme ou les enfants. Mmh. Donc vous avez entendu au fond. Donc tu travaillais dans quoi, Victor ? En peinture. En peinture. Tu avais des plans, voilà. Et donc tu prenais les plans le soir, tu classais bien tes plans pour voir mettre toutes les indications, savoir dans quel lieu tu devais aller faire un chantier. Voilà, c'est ça, oui. Donc automatiquement, on avait les adresses sur les plans. Oui. Donc ça me permettait de pouvoir rentrer dans le GPS. Voilà. Contournement, qu'est-ce que ça met en œuvre ? Et contournement, ça met en œuvre plein de choses. Rosa n'est pas là, mais j'ai quand même envie de dire qu'on était plusieurs à préparer. Je voudrais quand même aussi donner... Rosa qui... Non, ce n'est pas un contournement. On va peut-être le mettre dans autre chose. Il y a Angelo qui a préparé avec nous et qui disait, c'était extraordinaire, Angelo ne sait pas du tout lire et écrire. Il s'est débrouillé pour s'équiper d'un ordinateur et d'avoir... il scanne tous ses documents administratifs et l'ordinateur retranscrit en oral. Donc, il entend en oral, ce qui est, j'ai rarement entendu ça. Hein, et il s'est débrouillé pour trouver une technologie qui pouvait lui correspondre, une part dans ce sens-là. L'autre, on le connaît un peu plus.
C'est lui qui parle et qui retranscrit en écrit. Donc, c'est les comment on appelle ça, des logiciels de... Voilà, de dictée, voilà, de fréquence avec différentes fréquences vocales, voilà. Et donc, il a mis en œuvre toute une stratégie pour pouvoir imaginer scanner tous les documents, comprendre ce qu'il y a. Alors, ça suffit pas, mais déjà, ça donne une première approche pour savoir de quoi ça parle, comme il disait. Si c'est la sécurité sociale, si c'est la CAF, si c'est etc. Mais imaginez l'intelligence derrière ça. Alors, je voudrais faire un petit zoom là-dessus à partir de ces exemples. Qu'est-ce qui se passe? Dans les stratégies de contournement, la métisse des Grecs, les apprenants développent des stratégies, la ruse, l'observation et la mémoire, l'analyse des situations, l'adaptation, et derrière ça, la volonté de s'en sortir. Quelques petits exemples autres, mais pour comprendre d'un peu plus près aussi. La ruse... Quelqu'un du voyage qui expertisait des meubles, il était brocanteur et il ne savait pas du tout écrire ni lire. Et il se trouve qu'il était demandé à la grande brocante de Versailles parce qu'il était chargé de vérifier s'il y avait des copies de meubles. Il avait tout un savoir extraordinaire. Et sauf qu'il fallait remplir le questionnaire sur les époques. Écrire, c'était du 15e, 16e, 17e siècle, etc. Et surtout, il fallait écrire sur le champ. Donc il disait, il y a de l'appréhension, il y a la peur de passer pour quelqu'un de bête. On se demande comment ça va finir. Quand c'est impossible de fuir, on essaie de changer la conversation. On a toute une stratégie. On se confie toujours à la même personne. Voilà. Je pense aussi à quelqu'un qui était chef d'entreprise, qui a créé son entreprise sans savoir lire. Il avait créé une société d'entretien d'espaces verts. Et il disait, comme tu disais, Mohamed, d'une certaine façon... Quand j'allais quelque part qu'il fallait écrire, je disais « je n'ai pas de crayon » ou encore « j'ai les mains sales ». Et il disait « je n'ai jamais de carnet de facture sur moi » et je dis au client « je vous l'apporterai en fin de semaine ». Mais vous imaginez toute l'énergie que ça demande et le temps que ça demande. Le mot de « ruse » est utilisé. La ruse, c'est pour défier l'autre. La ruse, c'est utiliser une tierce personne parfois. La ruse, c'est une sorte de feinte. Femme de ne pas avoir ce qu'il faut, comme un crayon. Il y a une sorte de renversement. Hein. Celui qui ne sait pas essaie de faire renverser vis-à-vis de celui qui fait. Hein. Et il terminait en disant « Il faut toujours lever la tête haute, même quand on l'abasse. » Je trouve que c'est extraordinaire, ça. Ceux qui se sont exprimés ont choisi de rester la tête haute. Il y a un chiffre que je n'ai pas donné, que vous avez vu sur une des diapos. Combien de personnes font le passage de réapprendre sur les 2,5 millions de personnes et plus? Vous avez vu? Ça vous a peut-être choqué. C'est une estimation, 1 sur 100. C'est une estimation. Comment on l'a fait? On prend les chiffres du ministère de la Défense ou de l'INSEE. On regarde combien, parce qu'on a les chiffres qui sont déclinés par département, par région et par département. Quand on connaît bien son territoire, et là, les centres ressources illettrices sont bien placés pour connaître les territoires, avec les structures de formation, puisqu'elles sont... appelés à faire avancer les formations de formateurs, la coordination entre les structures, etc. Quand on a les chiffres locaux du nombre de personnes en situation illettrice dans les structures de formation, on fait le rapport et en général, on est même en dessous de 1%. Quand on arrive à 2%, c'est qu'il y a mis en place des structures de formation de façon spécifique, j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est très, très peu. C'est très difficile de sortir de l'ombre. On reste beaucoup dans la caverne. Donc, on peut faire l'hypothèse que ceux qui gardent la tête haute, ce sont ceux qui ont trouvé l'énergie en eux-mêmes et peut-être des personnes et des mains tendues, comme ils disent, pour pouvoir faire le passage, tous ces mots sur lesquels on peut jouer. Hein. Et puis, les autres ont la tête basse. Mais ceux qui sont passés, comme ils disent, on garde la tête haute même quand on la basse. L'observation, la mémoire, on l'a vu tout à l'heure à travers les exemples qui ont été cités. Je voudrais vous donner un autre exemple que je trouve extraordinaire. C'était à Roanne, avec l'organisme de formation Ellipse, une femme qui était chargée de travailler dans un EHPAD et son employeur lui demandait de s'occuper de telle ou telle personne en disant « vous ferez ci, vous ferez la toilette à telle chambre, telle personne, tel monsieur, telle dame ». Et puis, elle ne savait pas du tout lire et écrire, mais elle lui donnait 10, 15 consignes dans la même soirée. Elle travaillait de nuit. Et elle avait trouvé un truc extraordinaire.
au fur et à mesure que la personne parlait, elle s'était mise, d'abord elle avait pris des ficelles de couleur qu'elle avait mises dans ses poches. Dans une poche, elle avait toutes ses ficelles. Et au fur et à mesure que l'employeur parlait, elle jetait un œil sur une couleur de ficelle et elle associait la couleur de ficelle avec l'acte qu'elle devait poser, par exemple faire la toilette à telle personne. Et elle mettait cette ficelle de l'autre côté discrètement pour dire, ça y est, cette personne, je sais... Et vous savez à quoi ça fait référence, ça ? Les formateurs qui ont travaillé sur les mécanismes d'apprentissage ou sur la façon dont on apprend, ça vous fait penser à quelqu'un ? Ah, Gattegno, effectivement, ça pourrait. Mais plus particulièrement, ça fait penser à la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Vous savez, les profils pédagogiques, si on est visuel, auditif, kinesthésique, etc., ça fait référence à ça. Autrement dit, cette personne a mis en œuvre une forme de gestion mentale. Quelle intelligence pour faire ça. Et son employeur ne s'est jamais rendu compte. La ruse, hein, dont on parlait tout à l'heure, ça en fait partie. Mais c'est aussi de l'observation, c'est aussi de la mémoire. Tout ça, ça se conjugue dans tous les sens, les mots qui sont sur la diapo. Et en fait, l'observation, la mémoire, ce sont des fonctions cognitives. Ça veut dire, en clair, quand ces personnes viennent en formation, elles savent mémoriser, elles savent mettre en œuvre des stratégies, elles savent observer. Comment on va se servir de leur savoir contournement pour aller un peu plus loin dans la lecture ? Autrement dit, est-ce qu'on prend ce temps ? J'y reviendrai, ça sera mon interrogation dans chacune des fonctions. Est-ce qu'on prend ce temps pour comprendre les contournements ? Est-ce que vous faites parler les apprenants sur les contournements qu'ils ont mis en œuvre ou vous faites comme si ? Et là, je m'adresse aux formateurs. L'analyse des situations. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec la machine qui ne fonctionne pas. Hein, et Mohamed qui retourne le chèque, le bord du chèque, parce que la machine, elle ne peut pas prendre le chèque qui est trop grand. Voilà. L'analyse des situations. J'aime beaucoup aussi cet exemple d'une femme, c'est dans le Maine-et-Loire, et qui dit elle devait prendre des commandes au téléphone et elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire les noms des gens, mais elle savait les lettres de l'alphabet. Et donc, elle disait, je me présente, je m'appelle Yvette, ça s'écrit Y-V-E-T-T-E. Et donc, l'autre était obligée. Voyez l'analyse de la situation. Et c'est comme ça qu'elle arrivait à écrire le nom des gens. Bon, des fois, il y avait des loupés, mais quand même, en règle générale, elle y arrivait. C'est cette même personne qui disait, elle travaillait dans une maison bourgeoise, comme elle dit, et elle devait faire des choses, et son employeur lui disait, vous commencez par passer le balai, par nettoyer le four, par passer la serpillière, par nettoyer la baie vitrée, par mettre le rôti dans le four, etc. Et elle allait très vite. Et elle se faisait engueuler parce qu'elle allait trop vite. Elle avait mis le rôti dans le four trop tôt. Donc, elle avait trouvé une astuce et elle avait fait des petits cadres qu'elle nous avait montrés. Et dedans, elle mettait le dessin du four ou le dessin du balai, le dessin. Et elle se mettait des heures parce qu'elle savait combien de temps elle mettait. Et puis, à un moment donné, extraordinaire, ça c'est à mettre en slam, extraordinaire, à un moment donné, elle dit, je fais une case vide. Alors, je lui demande pourquoi. Elle me dit, mais c'est incroyable, la patronne, la bourgeoise, elle me paye sans rien faire. Autrement dit, il faut que je m'assoie parce que je vais être trop vite, sinon je vais me faire engueuler parce que le rôti, il va être trop cuit. Donc, elle avait analysé la situation et pour elle, c'était impensable. Il fallait qu'elle s'arrête de travailler, mais elle était payée quand même. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire combien il y a des stratégies et de la ruse et de l'analyse et de l'adaptation. Ça, c'est aussi une forme d'adaptation. Voilà. J'en dirai pas plus sur les contournements positifs. Mais il y a un moment donné où dans le contournement, il y a aussi parfois des choses un peu négatives. Alors, les choses négatives, c'est quoi ? C'est on est quand même dépendant. C'est que ça crée de la tension. Effectivement, s'il y a de l'intelligence qui est à l'œuvre, il y a quand même des limites parfois. Hein, c'est l'exemple de Mohamed quand il voit que la machine, elle est trop petite par rapport au chèque. Il a pu trouver une solution, mais si jamais il n'avait pas trouvé cette solution-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se retrouvait face à lui-même. Et quoi dire ? Tu ne voulais surtout pas dire que tu ne savais pas écrire. Parce que ça, cet aveu-là, c'est terrible, ce secret-là. Voilà. Alors, voilà ce qu'ils disent. C'est le déshonneur de ne pas savoir lire et écrire. Je pense à cette femme qui disait, au travail, il y a une fille qui lui avait dit... Une fille d'un employeur qui lui avait dit « L'illettrée, elle n'aura jamais son permis de conduire. » Parce qu'elle ne savait pas lire, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais passer son permis de conduire. Il se trouve qu'elle a réussi son permis de conduire 40 ans après. Elle a mis du temps. Elle a téléphoné à cette fille en disant « L'illettrée a eu son permis de conduire. » Et elle a raccroché au téléphone. Autrement dit, elle est venue
pansé une blessure, qui avait 40 ans, et retrouvé son honneur. C'est ça, le déshonneur et le retransformer en honneur. C'est la question de la dignité qui est à l'œuvre derrière. Ce n'est pas qu'une question de technique de lecture et d'écriture. Mais parfois, on ne peut plus contourner le problème. Je pense à cet apprenant qui dit, il y a bien une feuille toute prête au travail pour les devis. Il a des devis à faire, mais il manque toujours quelque chose. Alors je téléphone à ma femme pour savoir comment ça s'écrit. Mais maintenant, ça me prend la tête, il y a une appréhension. Je suis trop sur mes gardes, les gens le ressentent. Ce monsieur utilisait un dictaphone pour enregistrer ses devis, c'est extraordinaire. Et à un moment, il me dit, mais c'est pas sérieux le dictaphone, c'est les médecins. Autrement dit, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il n'y a que les médecins qui utilisent le dictaphone. Vous voyez, on touche aux représentations. Et c'est là que c'est dit, mais il faut que je bouge, il faut que j'aille apprendre à lire et écrire, ça ne peut plus durer. Et puis, je ne peux pas dire au client, je ne sais pas écrire. Donc, il dit, soit tu prépares tout avant, tu écris, comme faisait Victor, en préparant la veille dans le GPS, soit c'est la galère. Donc, à un moment donné, il y en a marre d'avoir la galère. Donc, le contournement, parfois, c'est limite, parce qu'en fait, c'est une forme en creux. On pourrait dire la forme en creux dans la caverne, qui ne permet pas à l'individu de s'exprimer librement, complètement, de s'exposer à la lumière du soleil de l'autre côté, tel qu'il est. Donc il y a une sorte de dialectique de tension, et c'est là l'étape qui va se jouer. À un moment donné, il y a un ras-le-bol d'utiliser trop de contournements, on fait l'expérience que certains contournements ne sont pas fiables, et il va y avoir un balancement. Et voilà ce qu'ils ont écrit, ce texte magnifique qu'ils ont écrit collectivement. C'est comme une balance. S'il y a trop de négatif et pas assez de positif, alors rien ne va plus. À force d'être obligé de demander aux autres, on en a assez. Et cela oblige à être battant. Et à partir de ça, on se sent vivre, on se sent plus libre et on ouvre les portes petit à petit. Le négatif, c'est se sentir entre quatre murs. On a envie de grimper pour s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Quand une main généreuse apparaît, on ne la lâche plus et on s'en sort. L'idée, là, du chemin qui, là, est symbolisé par la main. Si vous relisez le mythe de la caverne, on parlera des chaînes, on parlera des ombres et on parlera aussi d'une main qui est tendue. Voilà. Et ils ajoutent, le contournement peut être positif si le résultat est positif. L'essentiel, c'est de ne pas être jugé par le regard des autres, hein, Sabrina. Mais il y a un moment où les choses basculent, on ne peut plus faire face, il faut trop demander, il y a un ras-le-bol qui s'installe, on se prend pour un moins que rien, alors on fait le pas de s'en sortir en frappant à la porte d'une association. Voilà. Et quand vous êtes accompagnateur, on y reviendra, vous êtes accompagnateur de cette déstabilisation, de cet entre-deux, de cette balance, il faut pouvoir mettre des mots là-dessus. Il n'y a pas que la personne qui transige avec elle-même. Il faut que ce mouvement de l'un à l'autre, il soit de soi à soi, mais de soi à l'autre. Donc c'est l'indication d'un mouvement, d'un face-à-face qui est difficile, mais ce face-à-face difficile ne peut être fait qu'à travers l'autre, à travers une médiation. Voilà ce que je voulais dire sur les contournements. Alors, il faut se poser un peu la question de réapprendre qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça nous interroge. Je vais proposer de zoomer sur deux choses, mais avant, je voudrais juste faire une petite aparté qui n'en est pas une sur apprendre et savoir, qu'est-ce que ça veut dire. J'aime bien ce que dit Bernard Charlot, un pédagogue, qui parle de figure de l'apprendre. Parce que nous, on est très marqués par le savoir, savoir lire, écrire, compter, le savoir académique. Mais en fait, on a appris plein de choses dans la vie. Vous nous avez donné des exemples à travers vos contournements, on sent les savoirs. Et Bernard Charlot parle d'inventaire. Il dresse des inventaires de figures de l'apprendre. J'en donne juste quelques-uns. Par exemple, il dit, il y a des objets de savoir, c'est-à-dire des objets dans lesquels il y a du savoir. Par exemple, le livre, c'est un objet savoir. Alors bien sûr, là, il faut savoir lire pour rentrer dans le livre. Mais c'est aussi des monuments, des œuvres d'art. Je donnerai un exemple tout à l'heure sur la lecture de l'œuvre d'art. Il y a aussi des émissions télévisées, culturelles. Il y a du savoir incorporé dans un objet de savoir. Et puis, il donne une deuxième catégorie. Il y a des objets qu'il faut apprendre à utiliser. Les plus familiers, votre brosse à dents. Vous avez appris à lacer vos chaussures autrefois, etc. Au plus complexe, un appareil photo, un ordinateur. Donc, ce sont des objets qu'il faut apprendre à utiliser. Ce n'est pas obligé qu'il y ait du savoir lire, écrire, compter là-dedans. Et puis, il y a des activités à maîtriser. Ça, c'est de l'apprendre. C'est important de se resituer sur l'apprendre. Lire, nager, démonter un moteur. Quand je vous écoute, vous, les ambassadeurs, il y a plein de choses que vous savez faire. Alors, on a souvent l'habitude de dire « avec vos mains ». Il n'y a pas que vos mains. Il y a votre tête qui fonctionne. Parce qu'il y a de l'analyse de la situation. Il y a de la déduction. Il y a de la compréhension.
Voilà. Et puis aussi, dans l'apprendre, vous apprenez des dispositifs relationnels. Par exemple, dire merci, c'est un dispositif relationnel. Mais engager une relation amoureuse, c'est aussi un dispositif relationnel. Autrement dit, vous apprenez aussi à analyser ces situations, à entrer en communication dans les exemples de contournement que vous nous en avez donné. Donc, vous apprenez en situation, ça interroge les formateurs, ça, d'apprendre en situation, et pas seulement assis à une table, à une chaise, enfin à une chaise plus exactement devant une table, apprendre en situation. Comment on travaille les apprentissages en situation, dans des espaces-temps différents. Alors bien sûr, on peut choisir ou ne pas choisir d'entrer dans ce savoir. Et c'est là où des apprenants choisissent de ne pas entrer dans ce savoir, lire, écrire, compter, mais ils entrent dans d'autres types de savoir, dans d'autres figures de l'apprendre. Et respecter ça, c'est important, mais il faut pouvoir le parler. Tout ça pour dire que l'apprendre, ça se situe face à une histoire. On apprend dans une histoire, on apprend avec ses besoins, ou pas de besoins, on apprend en fonction d'attentes, on apprend aussi en fonction de l'image qu'on a de soi, ou de celle qu'on veut donner. Pour synthétiser, je dirais, le rapport au savoir et à l'apprendre plus largement, ça s'élabore dans un rapport entre soi et soi, entre soi et l'autre, entre soi et le monde. Le monde, c'est le monde des objets, c'est le monde qui nous environne, dans la compréhension qu'on veut avoir ou pas du monde. Et là, je vais donner la parole aux ambassadeurs. Si j'ai fait ce détour, c'est pour comprendre que la lecture, c'est pas apprendre, c'est pas que lire. Mais ceci dit, on va faire un petit zoom pour savoir qu'est-ce qu'ils lisent. Parce que derrière qu'est-ce qu'ils lisent, on va entendre leur centre d'intérêt. Bruno, comment tu fais ? Est-ce que tu lis des livres, Bruno ? Oui, je lis, mais pas des livres. Je lis juste des chapitres. Vas-y, très près. Je lis des chapitres, des petites phrases, et puis... petites choses qui m'intéressent, sur la mécanique, sur l'électricité, un peu toutes sortes de choses. Sur l'électricité, tu dis ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu lis encore ? Des notices, tu m'as dit. Des notices. De quoi ? Les SMS, les notices. Les notices de pour monter un meuble ou pour monter de la mécanique. Voilà. Monter un meuble, mécanique, on continue. Des notices de quoi encore ? Ben, toutes sortes de notices qui... aussi au quotidien, quoi. S'il faut réparer un ordinateur, j'arrive à réparer un ordinateur. Tu peux réparer ton ordinateur. Ouais. Vous savez réparer votre ordinateur ? Moi, non. Enfin, voilà, Bruno, il sait. Changer un disque dur. Par contre, je ne sais pas le programmer. Oui, mais changer un disque dur, il faut savoir le faire quand même. Hein. Oui. Là, j'ai réparé un ventilateur de ordinateur portable il n'y a pas longtemps. Le ventilateur de l'ordinateur portable, etc. Vous voyez les savoirs qu'il y a derrière. Donc, c'est intéressant de se poser la question, quels sont les objets qui incorporent de la lecture, des objets savoirs. Et en tant que formateur, ça vaut le coup de s'interroger aussi là-dessus. Donc, tu lis. Tu n'es jamais rentré en bibliothèque ? Je suis rentré avec mon ex-épouse qui travaillait dans une bibliothèque. Et donc, du coup, j'ai regardé les images parce que je ne pouvais pas lire ce qu'il y avait. Bon, je disais quelques mots que j'arrivais à décoder, mais ça s'arrêtait là. Quoi. Je suis parti vite. Ça va. Oui. Mais tu lis autre chose. Oui, je lis autre chose. Mais voilà. Tu lis autre chose. Tu lis pas un livre, mais tu lis autre chose. Tu lis les SMS d'Odile, c'est ça ? Oui, je lis tous les SMS, les mails, maintenant, oui. Oui, tes mails ? Avant, non. Je ne savais même pas comment il fallait faire. Oui. Maintenant, je me débrouille un peu. Des fois, il y a des lacunes, mais bon, je me débrouille. Tu te débrouilles, voilà, oui. Je me débrouille mieux qu'avant, ça c'est sûr. Oui. Oui. Tu as une forme de lecture, tu lis certaines choses, voilà. La lecture, ouais, l'écrit, c'est plus compliqué. Oui, l'écrit, c'est plus compliqué, mais ça, c'est vrai pour beaucoup. Oui. Mohamed, qu'est-ce que tu lis ? Alors, en fait, moi, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'écrit. En fait, moi, j'ai pas de problème en lecture. Oui, tu n'as pas de problème en lecture. Oui, voilà, c'est intéressant de distinguer, on a des profils différents. Tu n'as pas de problème avec la lecture, c'est avec l'écrit. Voilà, c'est avec l'écrit. Après, avec la lecture, en fait, je lis, mais c'est comme si j'avais une voiture, mais je n'avais pas le code, quoi. Donc, je ne respecte pas les points, les virgules. C'est très beau comme image. voilà, quoi. Voilà, je
dire, je ne prends pas le temps de m'arrêter quand il y a un point. Bon, c'est un stop, quoi. Les stops, mais voilà. Bon, quand j'ai la voiture, je ne fais pas ça. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu lis d'autre? Alors, qu'est-ce que tu lis? En fait, moi, le premier livre que j'ai lu, c'était la Vésuve de Milo. Oui. Après, ensuite, il y a les biographies. Oui. Donc, j'ai lu Malcolm X. Oui. Louise Michel, sa biographie, Matricule, je ne me souviens plus. Mmh. Les bibliothèques, c'est vrai que je voyage, moi, je ne vais pas toujours dans la même, quoi. Tu donc, fais plusieurs bibliothèques. Exactement. Ah. Donc, d'accord. Après, il y a la presse, l'équipe, Dauphiné. Voilà. Et le Science et vie de la Terre. Oui. Tu lis des revues. Hein, tu disais hier, voilà. Tu lis beaucoup de revues. Voilà. Voilà. Après. Tout ce qui est biographie, il faut que ça me. Faut qu'il y ait un coup de foudre, quoi. Je veux dire, voilà. Quoi. Ouais. Qu'il y ait un coup de foudre. Alors, voilà, ça, c'est pour les bibliothécaires. Hein. Qu'il y ait un coup de foudre et la lecture et en biographie. Et avec la bibliothécaire aussi. Hein. Et la bibliothécaire. Ah. Alors, on en reparlera de ça, la place de la rencontre. Merci, Mohamed, de dire ça, parce que c'est important dans la façon dont vous fréquentez ou pas les bibliothèques. Et tu m'as dit aussi, il ne faut pas qu'il y ait des mots compliqués dans les livres. Hein, voilà. Ouais. Victor, tu veux dire des choses sur ce que tu lis? Ben oui, je veux bien. Ben je lis mes SMS, mes mails. Je vais sur le compte de la sécurité sociale aussi. Oui. Puis je vais surtout sur Internet pour les voitures anciennes, les motos, tout ça. Oui. Tu es passionné de voitures et de voilà. Donc tu t'informes sur Internet. Je m'informe voilà sur Internet. Voilà, tu lis sur Internet. C'est intéressant. Voilà. Est-ce que tu lis des livres? Non, pas du tout. C'est pas mon truc. C'est pas ton truc, voilà. Ça t'intéresse pas. Faut l'entendre aussi. Hein, voilà. Tu n'aimes pas lire des livres, mais tu lis autre chose. Oui. Tu lis plein de choses. Tu as dit aussi les comptes rendus de la chaîne des savoirs. Oui, bien sûr. Et oui, faire un compte rendu et lire quelque chose qui vous intéresse parce que vous êtes dans un groupe, vous appartenez à ce groupe, ben ça a du sens. Beaucoup de sens même. Beaucoup de sens. Voilà. Sabrina, qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu vas à la bibliothèque? Alors, je ne vais pas à la bibliothèque parce qu'il faut rendre les livres rapidement et je ne suis pas... voilà, ce n'est pas mon truc. Bon, après, je lis des magazines, oui, les SMS. Après, je vais sur Internet. Voilà, j'ai un petit peu de lecture. Oui, puis au travail, tu lis? Ah bah oui, parce que là, je lis les transmissions dès que j'arrive du travail pour savoir si le résident va bien, s'il ne faut pas lui donner à manger, s'il faut... voilà, plein de choses, quoi. Et là, je suis obligée de lire. Oui. Et puis c'est pas, ça me plaît. Oui, ça te plaît. Bah, voilà. Oui. Voilà. Ah, ouais. Donc, vous voyez, les formes de lecture, c'est intéressant. Ça, c'était aussi pour permettre, vous êtes nombreuses, les bibliothécaires et bibliothécaires à être là, que vous entendiez aussi quelles sont les formes de lecture, le rapport à l'apprendre derrière ça. Voilà. Alors maintenant, là, vous avez des personnes qui ont fait le choix, qui ont fait le passage de l'ombre à la lumière. Mais retournons au fond de la caverne et posons-nous la question, mais qu'est-ce qui se passe au fond de la caverne? Qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme risque? Le premier zoom là-dessus, ça va être sur la prise de risque. Apprendre, c'est changer. Ça, je crois qu'on a passé conscience de ça. Peut-être vous avez l'expérience d'apprendre des choses qui vous ont bouleversé, qui ont bouleversé votre vie, qui ont changé des représentations que vous avez, etc. Ça n'a peut-être pas complètement fait basculer votre vie, mais imaginez que quand on ne sait pas lire, écrire, quand on a vécu 30 ans sans la lecture, en ayant des contournements, amener la lecture, ça bouleverse la vie, ça bouleverse ses rapports aux autres, ça bouleverse ses rapports à soi. Alors, on ne prend pas ce risque comme ça, à la légère. Quelque part, intuitivement, on sait qu'il y a une prise de risque qui est difficile. C'est Jacques Bernardin qui a travaille auprès d'enfants en difficulté, qui ne voulait pas entrer dans la lecture. Et il dit qu'il y a trois choses. Il faut dépasser le sentiment de honte. Il faut risquer de perdre, mais pas de se perdre. Et il faut quitter sa tribu. Alors on va y revenir. Dépasser le sentiment de honte, en fait, ne pas dire qu'on ne sait pas lire et écrire, c'est une façon de se préserver. C'est une façon de se préserver du regard des autres, mais aussi de préserver d'abord sa propre image devant les autres. Hein, quelqu'un, hier soir, vous disiez, c'est important l'estime de soi, qu'on respecte, qu'on nous respecte dans notre estime de nous-mêmes. Hein. Réapprendre, ça veut dire dépasser ce sentiment. Ça veut dire risquer de donner une image de soi que les autres ne connaissent pas. Et tout à l'heure,
vous donnerez des exemples dans ce sens-là. Il y a un risque de changement identitaire. C'est une forme du rapport à l'apprendre. Donc risquer en dépassant le sentiment de honte. Risquer de perdre. Quand on apprend, quand on est sans la lecture et l'écrit et le calcul, on travaille autrement avec des stratégies de contournement. On fait sans l'écrit et on a appris à prendre des repères. Tu donnais hier des exemples de repères, Bruno, il me semble, pour l'écrire. Comment tu faisais pour écrire? C'était difficile, mais tu avais des repères que tu t'es donné. Moi, déjà, je suis dyslexique. Alors, oui. Donc, j'ai appris, comme tous les enfants à l'école, mais oui. J'ai appris quelques mots et je ne comprenais rien. Oui. Donc, j'ai pris des phrases que j'apprenais, que je comprenais, et j'ai greffé des mots pour faire une écriture personnelle. Voilà, tu t'es construit un code avec une écriture personnelle. Je me suis construit ça et tout le long de ma vie, j'ai avancé comme ça. Et il y en a qui voulaient lire ce que j'ai écrit. Ils me disent, c'est quoi ce charabia? Donc, je leur dis, c'est écrit ça et ça et ça. Ils me disent, mais on ne comprend pas. Donc, voilà. Tu avais ton code à toi, mais qui n'était pas compréhensible par les autres. Oui, parce que c'était un peu du français et un peu d'humour. Donc, du coup. Et un peu d'humour, d'accord. C'est aussi une stratégie, oui. Et du coup, quand il a fallu. Il fallait tout désinstaller ça, eh ben, c'était un sacré travail, parce que chaque fois que j'apprenais des nouvelles lettres, oui. Les lettres, elles ne correspondaient pas à ce que moi j'avais appris pour moi-même. Quoi. Tu as dit cette phrase extraordinaire hier. Il faut du temps pour déconstruire. Tu dois déconstruire ce que tu as appris pour reconstruire autrement. Imaginez ce que ça veut dire. Tous les codes mis en place, il faut les abandonner progressivement pour mettre autre chose. Risquer de perdre sans connaître ce qui va arriver face à l'inconnu. Merci Bruno. Et puis il faut quitter sa tribu, dit Bernardin. Réapprendre, ça bouleverse la place que l'on a dans son environnement. Et ça peut entraîner des incompréhensions. Qui s'empare de l'écrit est amené à changer sa vision du monde. On va découvrir d'autres sensibilités, on va découvrir d'autres points de vue, on va prendre sa place, bien sûr, mais on va parfois parler autrement. Alors là, je voudrais vous lire ce texte d'un apprenant du Maine-et-Loire qui dit « Aujourd'hui, j'ai un poids. La bande, c'est terminé. » Il faut faire comprendre ça aux gens. La bande m'a mis à l'écart. Et peu à peu, et moi, par mes observations, mes intuitions, mon analyse, j'ai continué à me mettre à l'écart. Je suis devenue un autre, mais en même temps, je me retrouve seule, fière de ce que je suis devenue, mais seule, parce que réussir à se faire de nouvelles relations, c'est dur. Oser faire des démarches pour rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui correspondent à la personne que je suis devenue. C'est difficile. La solitude du week-end, la solitude de celui qui n'a pas quelqu'un avec qui parler, échanger ses idées. Donc vous voyez aussi, quitter son univers. J'ai entendu plein de fois des apprenants qui disaient « Ouais, dans ma famille, on me dit, mais jusqu'où tu veux aller? Il faut que tu t'arrêtes là. Ça y est, tu sais assez. Tu sais déchiffrer, tu sais assez. » Voilà. Et on le sait aussi avec les personnes analphabètes, pour d'autres aspects. C'est la question de la place et du pouvoir. Bastien en parlait dans le slam, la question de la place et du pouvoir. Alors voilà, prendre ce risque, eh bien, on ne peut pas le prendre seul. Et c'est pour ça qu'il y a une question à la fin sur la diapo, la prise de risque partagée. Elle ne se fera pas sans vous, sans nous. Apprendre exige un remaniement de repères. Parfois, certains sujets vont préférer se préserver pour ne pas revivre un nouvel échec. Parce que derrière, l'enjeu, c'est de ne pas revivre un nouvel échec. Dès lors, la question, c'est comment l'autre prend-il le risque d'accompagner? Est-ce que vous allez prendre ce risque, vous aussi? Aider l'autre à reconquérir son pouvoir de formation, son pouvoir d'apprendre. Ça interroge nos dispositifs éducatifs et à travers eux, notre société. En fait, la prise de risque, elle ne peut pas se faire uniquement avec les personnes relais qu'on appellerait médiateurs, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les salariés de Pôle emploi, tous ceux qui travaillent à l'accès à l'emploi. Ça ne peut pas se faire seulement qu'avec les bibliothécaires, ça ne peut pas se faire seulement qu'avec les formateurs, parce que la prise de risque, elle n'est pas complètement faite, y compris quand ils arrivent dans les organismes de formation. Donc c'est comment cette prise de risque, qui va être au croisement de différents acteurs, on va l'avoir toujours en tête pour l'accompagner. Ça veut dire mettre en mots ce qui se passe, mettre en mots la déstabilisation. Mettre en mots ce qu'on a entendu hier de Rosa.
qui nous disait « Depuis que j'apprends à lire, mon mari a tendance à me rabaisser de plus en plus devant les autres. Elle prend sa place. » Tu disais quelque chose aussi, Victor, par rapport à ta femme, si tu as envie de le dire. Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport ensemble? Par rapport ensemble à ma femme, ben, ça, bon, d'abord, je veux dire qu'elle me soutient. Oui. Mais dans un sens, ça l'embête parce qu'elle a l'impression de me perdre. Je me débrouille tout seul, donc c'est oui. Plus pareil. Elle a l'impression de te perdre. Ouais. Vous voyez, c'est dans plusieurs sens, hein, se perdre. Hein. Voilà, et ça, j'imagine que c'est un chemin que vous continuez à faire pour que chacun retrouve sa place. Ben voilà, c'est, oui. Et puis c'est dur, quoi. C'est dur, hein. Puis il y a beaucoup de changements, oui. Beaucoup de choses qui changent. Oui. Dès qu'on reprend à lire et à écrire. Oui. Le rapport aux enfants aussi, j'imagine. Aux enfants, à la vie, à tout, quoi. Oui. Ça change de réapprendre. Ouais. Donc, comment on va se prendre le risque, nous? Ça veut dire mettre des sécurités, quand même, prendre le risque. C'est-à-dire mettre des sécurités avec les personnes dont on parle pour qu'elles puissent faire ce pas sans trop se perdre. Mais, parfois, on prend le risque. Bruno, est-ce que tu veux nous donner l'exemple quand tu as pris le risque d'aller chercher un travail pour aller à propos des cartons? Oui, à l'époque, je travaillais à la commune et je n'avais pas d'emploi fixe. Je faisais un TUC à l'époque. Ouais. Et un collègue de travail me dit, va à l'entreprise là-bas, il cherche un magasinier. Je lui dis, moi, je ne suis pas magasinier. Je n'ai pas beaucoup de connaissances dans l'écriture et tout ça. Et du coup, j'y suis allé, j'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, j'ai rencontré la personne. Il m'a donné une feuille blanche, un crayon. Il m'a dit, tu mets... de ton nom, ton téléphone, tout le tralala, et tu me fais ton CV. J'ai commencé à écrire. Au bout de 5-10 minutes, il a jeté un œil derrière mon dos et il a pris la feuille, il en a fait une boulette, il m'a dit « Dors, monsieur ». Vous avez entendu, au fond? Et je me permets de retraduire Bruno. Ah, donc, oui. Donc, oui. Je reprends. Oui. Donc, il est passé derrière mon dos, il a fait une boulette de ma feuille, il m'a dit « Dors, monsieur », et je suis parti, j'étais anéanti, quoi. J'étais anéanti. J'aurais pu me jeter à l'Isère, tellement que j'étais pas bien. Ouais, tu as failli te jeter dans l'Isère. Ouais. Donc, je redonne le début. Donc, un emploi potentiel, il prend son courage à deux mains, c'est pas facile. Et puis, on lui présente une feuille blanche. Ça vous arrive dans vos pratiques professionnelles de proposer une feuille blanche pour demander aux gens d'écrire leurs coordonnées? Posez-vous la question. Vous pouvez avoir des gens qui ne savent pas écrire. Et là, la personne a vu que Bruno avait du mal à écrire. On lui demandait de mettre ses coordonnées. Il n'a pas pu. Il a pu mettre le début de son nom, son prénom, etc. Le monsieur a pris la feuille, a fait une boulette de la feuille de papier qu'il a jetée. Et il lui a dit « Dehors, monsieur ». Imaginez la violence dans nos pratiques professionnelles. Voilà. Et il y en a beaucoup plus, on ne se rend pas compte. Hein. Chacun d'entre nous, on peut être amené à générer cette forme de violence. Simplement parce qu'on ne s'est pas posé la question, est-ce que la personne en face de moi, quand je lui donne une feuille de papier et un crayon, est-ce que je la mets en difficulté? Je verrai tout à l'heure comment il faut la mettre en difficulté, c'est-à-dire à minima. Voilà. Merci Bruno, parce que ce n'est pas simple. Hein, comment reprendre un risque après ça, de retourner au boulot? On n'y va pas. C'est pour se reprendre encore une claque en pleine figure. Voilà. Alors ça, c'est la première chose, prise de risque. La deuxième sur laquelle je voudrais zoomer, qui est très importante, c'est le sens du réapprentissage. Est-ce que quand on a été en échec scolaire, quand on a été en échec tout court, est-ce qu'on donne du sens au réapprentissage? Alors, il faut s'interroger sur ce que c'est que le sens. Peut-être que pour vous, il y a des choses qui font sens, d'autres choses qui ne font pas sens. Pour les ambassadeurs, pour les apprenants, c'est pareil. Comment ça se construit du sens? Ça se construit avec plusieurs éléments. Ça se construit d'abord dans une construction de rapport. C'est parce que vous êtes confronté à d'autres, vous êtes confronté à des objets, à des choses, à des personnes, que vous allez petit à petit construire du sens. Quand Victor dit « Moi, je lis des choses sur les voitures parce que je suis passionné de voitures », il va entrer dans l'objet livre « voiture » sur Internet parce que ça fait sens. Voilà. Peut-être que le sens, il se construira plus tard pour autre chose. Par exemple, il faut se faire rembourser des soins de la sécu. Même si ce n'est pas facile, le papier de la sécu, n'est-ce pas? L'empêche qu'à un moment donné, il va falloir s'y coller quand même. Même si à terme, c'est un papier qui va disparaître. Mais voilà. Il faudra que ça fasse sens par obligation. Mais c'est dans une construction de rapport parce que le rapport, c'est le rapport au remboursement, là, en l'occurrence.
Voilà. Ça se construit dans un système. C'est Bernard Charlot qui dit ça. Il dit que ça se traduit par une activité qui va construire un rapport au savoir. Donc, les personnes qui s'isolent, vous avez entendu un ou deux exemples, qui s'enferment, qui se mettent au fond de la caverne, eh bien, elles n'ont plus la possibilité de construire un rapport. Elles vont venir vous voir, travailleurs sociaux, pour certains droits, mais vraiment à minima. Comment vous allez construire avec elles? Vous allez construire du sens dans une construction de rapport pour faire découvrir la nécessité de certaines choses. Mais voilà, mais c'est une chose parmi d'autres. Et puis, il y a le sens comme signification, représentation. Nous, dans notre tête, c'est normal, il faut savoir lire et écrire, etc. Mais ça ne fait pas sens pour tout le monde. J'ai travaillé avec la communauté des gens du voyage, par exemple, en tant que formatrice. Eh bien, l'écrit ne faisait pas sens parce que la communication et la transmission se fait à l'oral, même si ça se perd beaucoup. Je parle des non-sédentaires, là. Hein. Chez les semi-sédentaires, il y a un rapport qui s'est construit parce que souvent, ils ont été un petit peu à l'école. Mais chez les non-sédentaires, effectivement, le rapport à la signification n'est pas construite autour de l'écrit. J'aime bien donner ce petit exemple. À un moment donné, il y avait un apprenant qui disait, je me suis fait engueuler par la police parce que mes gamins, ils ont collé des tas de petites étoiles sur mon carnet de circulation. Ils étaient voyageurs et vous savez, il fallait aller à la gendarmerie pour faire signer, comme ils disent, l'étoile des Juifs, hein, ils disaient ça, pour faire signer son carnet de circulation pour savoir où ils étaient. Bon, j'étais révoltée. Hein. Et il se trouve que les enfants avaient mis des tas de petites ou des post-it ou des lumières ou des petites, comment on appelle ça, des gommettes, voilà. Et ils n'avaient pas conscience que c'était un écrit de type administratif, contrôle, c'est pas un écrit de type jeu ou de type... Voilà. Et c'était fait engueuler. Mais lui, il ne comprenait pas. Ça ne faisait pas sens. C'était pas un papier administratif, même s'il savait que c'était pour être contrôlé, mais il ne voyait pas pourquoi on interdirait à ses enfants de mettre des gommettes. Voilà. Donc, je donne cet exemple pour comprendre ça, la notion de la signification. À quoi ça sert, cet écrit ? Pour nous, c'est évident que ça donne accès à des droits, mais pas pour tous. Il y a des écrits qui donnent accès à des droits. Et puis, le jour où on comprend qu'on n'a pas accès à ce droit parce qu'on a mal rempli, peut-être que Bruno, tu pourrais donner l'exemple de ce papier que tu devais remplir par rapport à un de tes enfants, je crois. Tu veux le donner, cet exemple ? Où tu as écrit quelque chose que tu n'as pas compris, tu as signé quelque chose que tu n'avais pas compris. Tu veux en parler ou pas ? On ne donne pas juste l'exemple. Hein. Oui, à l'époque, mon enfant a commencé à travailler. Donc, je suis allé à la Sécu, j'ai déclaré ses revenus. Donc, ses revenus, ce n'était pas beaucoup, mais bon, il fallait... Il fallait déclarer tout ça. Et donc, elle m'avait fait signer un document. Et ce document... Je lui ai dit que c'était comme ça, à telle date, je lui ai dit, donc je lui ai fait confiance à cette personne. Et du coup, je me suis retrouvé à rembourser, je ne sais plus, c'est 600 ou 700 euros. Et à l'époque, j'étais avec mon salaire pour les trois enfants. Oui. Donc j'ai fait un appel à la centre social de la CAF. De la CAF. Et elle m'a dit comment ça se fait que vous avez signé ce document, il est officiel, normalement, vous devez tout rembourser. Je fais, excusez-moi, mais je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Donc du coup, elle m'a orienté vers quelqu'un qui se donnait des cours à des étrangers. Et cette dame m'a contacté et m'a dit qu'il n'y avait pas de structure pour moi parce que j'étais français. Et donc, du coup, elle allait faire des recherches et elle m'avait rappelé, elle m'avait dit qu'il y avait le LEFUP à Grenoble. Mmh. Et du coup, je me suis pointé et je ne suis jamais reparti. Quoi. Voilà. Alors, il a été plus loin, là, Bruno, il a raconté le levier qui était au début un frein. Mais en tout cas, ce que je voulais souligner derrière ton exemple, c'était le fait de la signification de ce papier, qui était un document officiel, et il fallait le remplir et pas seulement signer, mais ça veut dire qu'il fallait se le faire expliquer, et il fallait que les données qui étaient dedans soient exactes. Et effectivement, ça t'a fait perdre de l'argent, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien remplies, enfin, ou pas remplies dans les bonnes cases. Donc voilà, ça veut dire que le sens, la signification de ce papier n'était pas là, ou elle n'avait pas été suffisamment expliquée. Voilà. Et puis le sens comme direction. Où est-ce qu'on va ? Les apprenants disent souvent, avant d'être apprenant, on était dans des voies sans issue. Chômage prolongé, enfants en difficulté, changement d'espace de vie, disparition de relations.
La précarité empêche de se projeter quand on vit tout le temps au jour le jour et qu'il faut chercher comment on va manger ou comment, où on va coucher ce soir, comment on va manger, etc. On ne peut pas se projeter. Or, rentrer dans un apprentissage, réapprentissage, c'est se projeter. Donc ça, ça se construit, ce sens-là, dans une direction. Ce n'est pas seulement dire « ça vous permettra de trouver du travail plus tard ». Non, ça se construit dans un pas à pas. Le sens comme direction. Alors, quand même, comment ouvrir le chemin ? Qui donne le sens ? C'est la question de finale. Qui donne le sens ? Pourquoi ce serait notre société qui donne le sens ? Pourquoi, par exemple, on nous dit il faut savoir lire pour trouver du travail ? 50% des personnes en situation d'illettrisme sont au travail. Et pourquoi ça ne serait pas la confondration au monde du travail, c'est-à-dire favoriser l'entrée dans l'emploi pour tous, par exemple, pour, en tout cas pour ceux qui peuvent travailler, permettrait cette confrontation à l'écrit et permettrait d'enclencher un processus de formation. Mais il faut trouver pour, c'est pas ça qui forcément va construire du sens. Qui donne le sens ? Quand je vois des gens qu'on envoie par prescription, j'ai horreur de ce terme, on va prescrire de la formation, ils ne sont pas malades ? Prescription, ça veut dire ça renvoie à maladie, hein, quand même, pour les apprenants, je le dis au passage. Et comment se fait-il qu'on a besoin de prescription pour envoyer les gens ? C'est pour les prises en charge financières. On pourrait peut-être faire autrement. On ne décide pas du jour au lendemain, comme ça, d'aller d'organisme de formation. On va aller essayer, on va aller voir. Voilà. On n'a pas besoin de cette petite feuille qui dit que, sans compter qu'il y aura des délais d'attente, etc. Ça va interroger tous nos dispositifs de formation dans la façon de les construire. Qui donne le sens ? Avec ces éléments-là, ça va nous amener à l'accompagnement. Comment on va accompagner ? Alors, je propose trois choses autour de cette notion d'accompagnement. L'accompagnement en parlant des freins et en identifiant les leviers. On va parler des freins et des leviers des apprenants. On parlera aussi de nos freins et nos leviers dans la deuxième partie, en se posant la question comment on ose parler des soucis avec l'écrit. Le mot souci avec l'écrit, c'est le mot d'un apprenant, celui qui était chef d'entreprise, qui disait « moi, j'ai des soucis avec l'écrit ». C'est moins stigmatisant que de dire « moi, je ne sais pas lire et écrire ». Et puis, c'est aussi une façon juste de resituer les choses. L'écrit, c'est une norme. Bien sûr, on en a besoin dans notre société. Vous seriez dans certains pays ou dans d'autres cultures où l'oral est prédominant, vous n'auriez pas besoin de la lecture. Là, j'ai des soucis avec l'écrit. Ben, comment on va accompagner dans nos fonctions respectives ? J'en prendrai trois grandes catégories à partir de qui vous êtes dans cette salle. Les médiateurs en général, qui peuvent être des travailleurs sociaux, ceux qui travaillent à l'accès à l'emploi, à la formation. Les bibliothécaires, si vous êtes très nombreux. Et puis, je parlerai aussi des apprenants, j'en prendrai quatre, pardon. Et même si vous êtes moins nombreux, les élus et les institutionnels, parce que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on propose comme dispositif de formation et avec la notion d'accompagnement au cœur. Et on terminera sur comment accompagner dans la durée avec des réponses adaptées, parce que ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas des réponses adaptées, on ne peut pas favoriser la mise en route pour sortir de la caverne. Alors, accompagner en parlant des freins et des leviers. Pour aborder cette question-là, il se trouve qu'à la chaîne des savoirs, donc avec des ambassadeurs, on a travaillé cette question parce qu'on intervient très très souvent auprès des travailleurs sociaux pour leur dire qu'il faut parler de la question de l'illettrisme. On dit souvent aux travailleurs sociaux, vous n'avez pas le droit de vous taire. Quand je dis aux travailleurs sociaux, c'est par extension à tous les gens qui sont médiateurs. Vous êtes secrétaire dans une municipalité, vous accueillez du public. Vous êtes à Cap Emploi, vous êtes à Pôle Emploi, vous êtes voilà tous les gens qui font de l'accueil. Mais j'ai envie de dire même chacun d'entre nous, citoyens, on a un voisin de palier qui nous confie qu'il ne sait pas lire et écrire. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais en parler ? C'est une responsabilité d'une cité tout entière et pas seulement de fonctions particulières. Même s'il y a des fonctions particulières privilégiées pour aborder cette question et les médiateurs en font partie. Alors donc on a écrit une lettre, on a listé toutes les questions que les médiateurs se posaient et puis à partir de là, les ambassadeurs ont identifié des freins et puis et ils ont écrit des phrases. Donc je vais pas vous la donner dans son intégralité. Je vous invite à aller la lire dans son entier sur le site de la chaîne des savoirs. Vous tapez chaîne des savoirs, vous arriverez sur le site. Mais en tout cas, voilà, première question qu'ils posent. Vous avez remarqué nos difficultés, vous vous posez la question, en parler, ne pas en parler. Ça va vous parler, ça. Est-ce que j'ose ?
Est-ce que je vais mettre l'autre en difficulté? Les apprenants disent le silence n'est pas une solution. Il enferme la personne dans son problème, alors il faut en parler, c'est comme une libération. Ils disent que quand le médiateur a osé prendre l'initiative de la parole, ça change tout. Bien sûr, eux, ils ont leur part après, en tant qu'apprenants, futurs apprenants, ils diront des choses. Mais vous n'avez pas, en clair, vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous voyez un petit peu, vous mettez de côté vos peurs à vous, votre honte aussi à vous peut-être d'en parler. Je ne sais pas, il y a peut-être de la honte à en parler. Moi, je dis souvent, la société a au moins autant honte que les personnes en situation d'illettrisme. Vous vous demandez, donc voilà, qui doit parler le premier, vous ou nous? Alors, il y a toute une réflexion là-dessus et un débat. Quand vous avez deviné, parce que souvent vous devinez que nous n'avions pas arrivé à faire certaines choses et que nous voulions, surtout que nous ne voulions pas écrire, c'est important de nous dire que vous avez compris notre difficulté. Vous pouvez dire tout simplement une petite phrase comme ça, « Ah, c'est pas facile d'écrire », tout en restant neutre. Et la personne saisira la balle au bon ou pas. Mais vous ne mettez pas trop l'autre en difficulté, mais en même temps, vous ouvrez la porte. Comment vous allez ouvrir la porte avec des petites phrases comme ça? Ah, c'est pas facile d'écrire. Et justement, la personne vient de vous dire, prenez le crayon, vous écrivez mieux que moi. Eh bien, si on écrivait ensemble, et si on commençait, je vous donnerai d'autres pistes tout à l'heure, mais en tout cas, osez prendre l'initiative, vous. Vous vous interrogez comment découvrir, parce que parfois, vous n'avez pas découvert, parce que les stratégies de contournement sont remarquables. Comment découvrir que nous avons des difficultés avec l'écrit, l'écriture ou le calcul? On ne parle pas assez du calcul. Il faudrait qu'on en parle, notamment, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans des structures d'insertion par l'activité économique. Il y en a dans la salle? Non, peut-être pas. Mais là, ils sont aux premières loges parce qu'il y a du calcul tout le temps sur les chantiers. En tout cas, ou même dans des emplois, pour ceux qui accompagnent des emplois, notamment dans le bâtiment, mais pas seulement, dans l'hôtellerie, dans la restauration, etc. Il faut calculer souvent. Et le calcul, on l'oublie, surtout pas l'oublier. Alors, les apprenants disent, saisissez les occasions. Par exemple, avec les papiers. On vous apporte des papiers. En clair, on vous demande de nous aider par rapport à ça. Vous faites signer un contrat RSA. Qu'est-ce que vous faites parfois? Pour ne pas mettre autant de difficultés, vous le faites parler, puis c'est vous qui remplissez. Et vous faites signer. Eh bien non. Comment vous allez construire ensemble? Quand il y a des démarches à faire, vous voyez qu'on ne va pas au bout. Est-ce que vous posez la question pourquoi vous n'y avez pas réussi, vous n'avez pas réussi, mais en mettant des mots là-dessus? Est-ce que c'était loin? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un petit exemple parmi d'autres. Un jour, il y a quelqu'un qui dit « j'ai pas trouvé l'adresse où vous m'avez envoyé ». Et en fait, il n'avait pas compris le système de rue pair et impair. C'est un code. Pourquoi savoir? Pourquoi les pairs doivent être d'un côté, les impairs de l'autre? Quand on n'a pas compris le système mathématique pair-impair dans la construction française, eh bien, on peut ne pas trouver une adresse et ce n'est pas une mauvaise volonté. Autrement dit, comment je vais parler les difficultés? N'hésitez pas à nous pousser à essayer de remplir les papiers pour que vous puissiez voir nos difficultés. Autrement dit, mettez-nous en difficulté, mais momentanément. Ne faites pas semblant. Nous, on a fait semblant toute notre vie. Ne faites pas semblant. Tendez-nous la perche. Mais après, mettez des mots et rassurez-nous. Rassurez, oui, rassurez-vous et nous. Vous vous dites qu'il vaut mieux attendre. Alors, combien de fois je l'ai entendu de travailleurs sociaux? Il faut attendre le bon moment où il y a d'autres urgences. Mais qui est-ce qui choisit le sens, à nouveau, cette question? Est-ce que le sens, c'est d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi payer sa fin de mois, de pouvoir remplir ce papier qui donne accès aux droits, ou de savoir lire? Parfois, l'urgence, ça peut être de savoir lire. Et j'aime bien donner cet exemple. Quand je travaillais avec les gens à la rue, il y avait des gens qui couchaient dehors et qui venaient apprendre à lire. Et l'urgence, pour eux, ce n'était pas la pyramide de Maslow, ça va vous parler, c'était l'urgence de savoir lire. Donc, je fais exprès de déconstruire un peu des représentations qu'on a, parce que c'est ça aussi mon travail, c'est aussi de vous bousculer et de montrer qu'il faut faire attention. On est dans une perspective hologrammatique, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les aspects de la personne et ce n'est pas à nous de décider de l'ordre des choses et de la hiérarchie des choses. Vous avez peur de nous blesser. Vous ne savez pas quel mot utiliser pour nous en parler. Alors voilà, on va vous en donner. Ils ont intitulé leur lettre « Dites-nous, dites-leur ». Je prends juste les têtes de chapitre. Dites-nous tout doucement. Il ne faut pas nous brusquer, mais il faut y revenir de temps en temps. Si vous n'en reparlez pas, ce n'est pas la peine. Autrement dit, si vous avez ouvert la porte, mais que vous n'en reparlez pas, que vous la refermez, ça ne sert à rien. On est à nouveau dans une métaphore. Autrement dit,
pas toutes les semaines, si vous les voyez toutes les semaines ou tous les mois, mais une fois de temps en temps, au fait, vous en êtes où par rapport à votre souci? Est-ce que ça a cheminé dans vos têtes? Est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt? Mais voilà, on ouvre à nouveau la porte. J'ai écrit un ouvrage là, qui vient de sortir qui s'appelle « Entreprendre de réapprendre en situation d'illettrisme » et qui relate toute notre expérience avec ce groupe de recherche et surtout qui donne des clés. Et toute la deuxième partie, ça parle des portes. Et il y a la porte, il y a derrière la porte, il y a avant au fond de la caverne, il y a derrière la porte les freins, il y a sur le seuil de la porte, il y a quand on a franchi la porte. Et avec beaucoup d'illustrations de phrases, enfin de leurs propos hein, et d'analyses qu'ils ont faites autour de ça, parce que c'est eux qui ont fait l'analyse avec moi, on l'a fait ensemble. Et vous verrez si vous avez envie d'en savoir plus, mais c'est extraordinaire de voir comment il faudrait faire presque un petit dessin. Avec une porte qui s'ouvre en quart, enfin en dixième ou en centième, et à chaque fois, et ça peut mettre 1 an, 10 ans avant que la porte s'ouvre complètement. Il faut avoir ça en tête. Mais ça veut dire qu'il faut en reparler plusieurs fois. Dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que ça veut dire? Que cela reste entre nous et vous. Il ne faut pas ébruiter notre problème. Alors, il y a quelqu'un qui donnait l'exemple sur un chantier ou avec un patron. Il y a une relation de confiance qui s'est nouée. On est d'accord pour le dire à un tel, mais surtout pas à un autre. Et il se trouve que cette personne l'a dit à un autre. Et là, ça casse tout. Donc, ça doit rester. C'est un secret qui est déposé. Et avant d'arriver à ce chemin vers la libération, tout en haut de la caverne, vers la lumière, ça peut demander 10 ans. La prise de risque, on en parle toutes les semaines avec les ambassadeurs quand on se retrouve. La prise de risque face aux médias, prendre face à la télé. Sabrina a accepté de témoigner à visage découvert, là, tout à l'heure, à FR3, mais d'autres ne le souhaitent pas parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'il y a des prises de risque qui sont dangereuses. Et il faut respecter ça. Donc, que cela reste entre vous et nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un cheminement pour se dire, et c'est ce que les ambassadeurs disent, quand on est rentré à la chaîne des savoirs, on découvre qu'on n'est pas tout seul. Et c'est au fur et à mesure qu'on découvre qu'on n'est pas tout seul qu'on pourra quitter la honte. La sortie de la honte, elle est collective. Alors après, c'est quel mot je mets pour trouver les bons mots, comme ils disent. Alors, on en a mis une petite liste, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ça, mais c'est à vous d'aménager vos mots. Hein. De dire de façon neutre, il existe des organismes de formation pour y apprendre. Ça peut être la première porte, le premier petit passage. Il existe des organismes, voilà, c'est tout. La fois d'après, peut-être la personne dira, « Ah, au fait, vous m'avez parlé d'organismes, c'est quoi? Vous pourriez me dire, ça m'intéresse. » Ou alors, ça ne m'intéressait pas la dernière fois, mais là, ça m'intéresse. Dire cette petite phrase, dans ces lieux, on ne se moquera pas de vous. Il ne faut pas oublier que la moquerie, ça a été l'expérience quotidienne de beaucoup d'apprenants à l'école. Et on ne sort pas de cette image-là indemne. Il faut penser les blessures. Pouvoir dire, mais s'assurer que dans le lieu, vous allez envoyer les gens, et ça, c'est votre responsabilité de médiateur, assurez-vous que les conditions d'apprentissage vont être là. J'y reviendrai quand j'interpellerai tout à l'heure des organismes de formation. Vous serez avec des gens comme vous qui ont les mêmes soucis avec la lecture, l'écriture, le calcul, à condition de ne pas mélanger les analphabètes avec les personnes en situation d'illettrisme. Ça va en choquer certains, mais j'y reviendrai. À condition de ne pas mélanger des flux avec des personnes en situation d'illettrisme. Et là, je peux vous dire que les ambassadeurs, ils peuvent vous en dire et les humiliations qu'ils ont vécues, parce que ce n'est pas la même problématique. Pouvoir dire, personne ne sait tout dans la vie, on peut toujours apprendre. Ça vous paraît évident, on peut toujours apprendre, mais je peux vous dire que quand vous avez été bloqué toute votre vie pendant 10, 15, 20, 30 ans, de dire qu'à 50 ans, on peut réapprendre à lire. Comment t'as dit, Bruno, hier, t'as dit un truc qui m'a frappé. Tu as dit, avant de prendre le risque, comment t'as parlé de ça? J'ai rien à perdre. Mais tout était perdu quand même. Hein? Mais t'as quand même osé y aller. On n'a plus rien à perdre. Hein, t'en étais là, voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, même à l'âge adulte. Alors ça, c'est difficile, c'est une résistance aussi, on y reviendra. Mais pouvoir le dire et de dire qu'on connaît des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui réapprennent. Alors l'idéal, effectivement, c'est de permettre de rencontrer des apprenants, des ambassadeurs avec des personnes qui n'ont pas encore fait le pas. Et je vous invite à solliciter le maillon quand vous avez des personnes qui n'osent pas franchir le pas. Parce que c'est la meilleure façon de leur donner envie d'apprendre. Moi, j'ai mené une recherche avec des ambassadeurs qui ont... la recherche s'appelle « Freins et leviers », elle est aussi sur notre site. On a fait ce pari de faire se rencontrer en interview un médiateur
un ambassadeur et une personne qui refusait d'apprendre. Mais on disait à la personne qui refusait d'apprendre, vous avez le droit de ne pas réapprendre. C'est important de le positionner, qui donne le sens. Et on leur a dit, on a besoin de vous pour comprendre pourquoi vous ne voulez pas réapprendre. C'est-à-dire qu'on les positionnait comme chercheurs avec nous. Et les ambassadeurs étaient là dans l'entretien. Et au moment opportun, ils ont dit ce qu'ils vivaient. Et eux-mêmes avaient les mots justes pour questionner. Et c'était très intéressant sur 30 interviews, ce qui n'est pas évident à faire, hein, trouver 30 personnes qui ne veulent pas réapprendre. Et bien sur 30, il y en a plus de la moitié qui, en discutant avec les ambassadeurs, ont eu envie de réapprendre. Donc vous voyez, on a des stratégies à mettre en place aussi. Ça prend du temps, certes, hein, mais c'est payant. Et puis, ben, même si c'est le mot qu'ils ont utilisé, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre, qu'une autre personne. Pouvoir dire ça, parce que ça, c'est marqué très fort dans la tête. Voilà. Vous pouvez apprendre avec un formateur en relation individuelle, à condition que ce soit vrai, on en reparlera tout à l'heure. Parce que apprendre en individuel, disait Rosa, hein, on va en reparler tout à l'heure, tu pourras nous donner ton témoignage. C'est ce qui t'a permis d'aller réapprendre ensuite en groupe. En nous mettant en valeur que nous avons d'autres savoirs, d'autres talents. Moi, j'aime bien faire ce que j'appelle la carte des savoirs. Qu'est-ce que je sais ? Pas d'abord, qu'est-ce que je sais pas ? Autrement dit, pas de test. Alors, vous voyez, hein, nos systèmes pédagogiques où il faut évaluer tout le temps, on recopie l'éducation nationale, il faut évaluer à chaque instant chaque compétence. Quel sens ça, l'évaluation ? Le test, bien sûr, pour pouvoir positionner un petit peu les personnes, où elles en savent ce qu'elles savent, et on peut peut-être utiliser d'autres stratégies. Pourquoi on n'utiliserait pas la lecture en positif ? Comment je vais dire ce que je sais en positif ? Ça veut dire aussi, en arrière-fond, je pourrais dire ce que je ne sais pas encore et ce que j'ai envie d'apprendre. Mais nous mettre en valeur, nous avons d'autres savoirs. Que nous savons faire plein de choses. Alors souvent, vous dites « avec nos mains ». Parce qu'effectivement, alors moi, quand je dis « avec nos mains », je dis toujours « avec la tête ». Parce que si vous savez faire avec vos mains, c'est parce que votre tête, elle fonctionne. En ayant la bonne attitude. Alors ça, c'est très intéressant. Quand on a discuté de ça, ils disent « il faut qu'on puisse dire tout le mal qu'on a sur le cœur. En clair, toute la souffrance qu'on a accumulée. Il faut pouvoir la dire. Il n'y a pas d'espace pour ça. Ou alors, il faut aller voir un psychologue ou une psychologue. » Mais on ne va pas voir une psychologue d'une psychologue. C'est rare. Ça, c'est le cheminement quand on arrive au fond, à la lumière, là-haut. Moi, j'ai travaillé avec des centaines d'apprenants et je proposais des fois. Jamais j'ai réussi à envoyer une seule sur 300 personnes. J'ai fait ça sur plusieurs années. Une seule sur 300. C'est pas penser le mal-être dans un premier temps. C'est d'abord rencontrer des gens, pouvoir déposer les secrets et pouvoir cheminer avec eux. Cela peut aider à franchir le pas. En ayant la bonne attitude, ça veut dire une relation à parité. C'est un mot qu'on a appris à utiliser. C'est-à-dire on n'est pas dans la condescendance. Et Dieu sait si, dans nos façons d'être, on peut être dans la condescendance. Non. Quel statut on leur donne, quelle place on leur donne, quelle reconnaissance réelle, et non pas pseudo, on leur donne. En nous accompagnant, mais là c'est accompagner physiquement. Parfois il nous faut du temps pour que ça fasse son chemin dans notre tête, donc il y a l'accompagnement progressif, mais aussi on a besoin de réfléchir, mais le plus important c'est de nous accompagner. Et ça peut aller jusqu'à l'accompagnement physique vers le lieu de formation. Alors vous me direz, on n'a pas le temps. Bon après il y a les priorités à se donner. Vous n'avez pas 100 personnes en situation d'illettrisme sur une année. Donc même si c'est une personne sur 100, prenez ce temps-là et vous verrez, c'est payant. Parce que c'est très difficile d'aller seul. Quand on a choisi de pousser le pas de la porte. J'ai mis dans le livre plein d'images, cette grosse porte, cette porte immense, ce seuil qu'on ne veut pas franchir. On va sur le parking de l'organisme de formation, on revient, on ne peut pas faire le pas. Et on pourrait faire un slam extraordinaire là-dessus, sur le seuil, la grande porte immense qui fait peur. On la pousse, on ne la pousse pas, on revient en arrière. Enfin, c'est fabuleux tout ce qu'ils ont pu dire sur cette fameuse porte, hein, symbolique et réelle. Voilà. Voilà, cette lettre ouverte, ils sont là pour vous donner et vous dire comment il faut travailler avec eux. Oui. Au revoir. Et puis, on a travaillé donc cette fameuse recherche avec les freins et les leviers. Puis ensuite, on va parler de nos freins et nos leviers. Je vais aller un petit peu vite par rapport à ça. C'est juste faire un listing de quels sont, où est-ce que vous pouvez s'enraciner les freins. Les freins les plus importants. Et puis, on va redonner la parole aux ambassadeurs. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais d'abord donner le frein d'Angelo. Je l'ai donné, c'est le scan des ordinateurs, c'était aussi un contournement. Bruno, tu as donné déjà l'exemple sur ce papier difficile, hein, mais, et tu as déjà donné l'exemple en disant c'est ce frein
qui était quelque chose de difficile, qui t'a conduit à dire que tu ne savais pas lire et écrire. Parfois, un frein, c'est ce qu'on appelle la dialectique des tensions. C'est un gros mot, la dialectique. Mais ça veut dire qu'on est confronté entre deux choses. On a envie, j'y vais pas en clair. Hein. On n'y arrive pas. Mais en même temps, si je n'avais pas de tension du tout, si je ne suis pas mis en tension, j'y vais pas. Donc vous, médiateur, comment vous allez mettre en tension? À minima, bien sûr, en respectant l'autre. Hein. Mais comment vous allez faire ça? Donc la dialectique des tensions, c'est ça qui va permettre de franchir le pas. Donc Bruno, tu l'as fait effectivement parce que tu étais mis en difficulté avec ce papier. Puis là, tu as trouvé des personnes relais. On t'a envoyé au début dans un lieu qui n'était pas pour toi. Hein, c'était pour des personnes analphabètes ou français langue étrangère. Et après, on t'a réorienté. Ça aurait été mieux si on avait pu t'orienter directement. Parce que je vois des gens qu'on perd en cours de route comme ça. Bruno était battant. Il a eu envie d'aller au bout. Mais il y en a d'autres. Mais d'autres n'auraient pas été jusqu'au bout. Mohamed, tu peux donner tes plusieurs tentatives, comme tu dis. Tu as fait plusieurs tentatives. Une première, tu as donné deux exemples. Tu te souviens? Le dernier emploi en insertion et la peinture fraîche. Je donne des petits mots parce que ça rappelle ce qu'on a préparé. Ouais, mais en fait... Oui, c'est bon, on t'entend. En fait, il y a deux, pas un seul, mais deux points qui m'ont amené à... Bah, d'abord, je vais commencer par le premier. Oui. C'est que, bon, moi, mon métier, j'étais peintre d'intérieur. Et je suis tombé malade en 2009, donc je ne peux plus exercer ce métier. Il va falloir faire des formations, des stages. Donc, c'est ce qui m'a poussé à essayer de continuer à aller de l'avant pour retrouver une formation. Donc, après, ensuite, c'est-à-dire pour français écrit. Après, mon dernier emploi, c'était en insertion. En 2014, j'étais en train de peindre une cage d'escalier, donc il y a du passage. Et j'avais toujours des petites affichettes sur moi collées pour dire attention, peinture fraîche. Et ce jour-là, je ne les avais pas. Quoi. Donc comment marquer peinture fraîche, attention, peinture fraîche, quoi. Je dirais frais, peinture, encore ça va, mais attention, peinture fraîche. Donc toute la journée, attention aux rampes, attention les murs, attention ceci. Et voilà quoi. Donc après le soir, ça m'a mis une tête comme ça quoi. Ah ouais. Vous imaginez, ouais. Hein, donc, ouais, quoi. Le temps qu'il faut, les contournements qu'il faut. Je pense à un apprenant de l'Indre qui disait, je devais écrire sur le cahier de liaison, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est un truc très technique, un mot très technique. Et il dit, toute la journée, j'ai cherché ce mot technique, je l'ai cherché partout, je me suis promené dans l'usine, j'ai cherché pour savoir où c'était écrit, je l'ai trouvé. Il y a aussi quand j'allais à la bibliothèque, c'est-à-dire celle d'une bibliothèque qui était à Grand Place. Oui. Moi, je faisais des recherches, trouver un DVD, un livre, un CD. Donc, ils ne l'avaient pas. Pas en stock, mais ils ne l'avaient pas. Quoi. Donc, on me disait de marquer et faire la demande. Donc, je disais toujours, je repasserai plus tard. Vous entendez, les bibliothécaires? Donc, voilà. Quoi. Où il y en a, qui l'écrivaient. Quoi. Vous voulez quoi? Paf. Donc ça, c'était les freins contournement. Mais l'histoire de la peinture fraîche, ça t'a poussé à dire, il faut que j'aille écrire. Ah bah oui. Hein, c'est ça. Sûr. Le frein est devenu un levier à un moment donné. Après, il y a la CAF aussi, c'est pareil. Je ne veux dire pas la CAF, mais la Sécurité sociale. Oui. Là, je vais revenir, une fois, j'ai récupéré un dossier pour la CMU. Oui. Je leur ai dit de me donner un coup de main ou m'expliquer. Ouais, nous, on ne fait pas. Voilà quoi, je veux dire. Prenez un rendez-vous avec une assistante sociale. Moi, elle le fait, elle nous donne un coup de main. Mais l'attente, c'est 3 semaines. Oui. Et nous, c'est tout de suite. Quoi. Bien sûr, et en les plus, droits, c'est rien. Pas. Après, ce n'est pas le fait de marquer son nom et son prénom. C'est quand on retourne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a plusieurs cases. Où est-ce que je me situe? Si je suis au RSA, si je suis au chômage, si je travaille, combien, le total. Il y a tellement de cases qu'on devient fou. Quoi. Trop de cases, on devient fou. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait. Voilà, donc des freins et puis qui poussent à un moment donné d'avoir envie d'apprendre. Victor, c'était dur de pousser la porte. Hein, oui, c'était très dur. Oui. Ouais. Comment t'as fait? Quand je suis tombé en maladie professionnelle, oui. À un moment donné, mon médecin m'a dit, voilà, tu ne pourras pas reprendre ton travail, donc manuel. Donc il fallait que je cherche un travail ailleurs, mais non, il fallait que je puisse chasser, écrire et lire. Et là, au bout d'un moment, j'ai craqué, je l'ai parlé à mon médecin. Qui a su m'orienter, qui était très gentil, qui a su m'orienter vers l'EFOP, qui m'a demandé de prendre contact avec Odile.
Et puis, j'ai pris contact avec Odile, et puis ça s'est fait comme ça. Mmh. Donc, le frein qui se transforme en levier, et le médecin qui est là, la main tendue, mmh. et qui explique. Voilà, la maladie professionnelle, oui. Donc, les freins. Et puis, il y a des leviers. Alors, juste, sur, vous avez peut-être lu en arrière-fond, les freins, c'est souvent des sentiments négatifs vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. C'est une expérience passée d'un apprentissage difficile. C'est le choix du silence, des contournements. C'est des tiers qui se substituent, que vous êtes, vous faites à la place d'eux. Ce sont des problèmes matériels. C'est le désir de travailler plutôt que d'aller apprendre. C'est la question de l'âge, c'est la question du sens. On a vu tout ça. C'est aussi des problèmes de santé, on vient de voir. Et les leviers, ils ont envie d'apprendre pourquoi. Eh bien, pour trouver du travail, bien évidemment, pour sortir de la dépendance vis-à-vis des proches, pour se débrouiller dans les démarches administratives, on en a eu des exemples, pour aider ses enfants, pour se déplacer, pour connaître l'informatique, pour être utile. Intéressant d'apprendre pour être utile. Alors maintenant, comment nous, on va accompagner dans nos différentes fonctions? Alors là, je vais vous proposer un petit peu comment feedback. Dans quel cadre vous pouvez être frein, dans quel cadre vous pouvez être levier. Et puis, ça sera à vous de voir en équipe ou d'y réfléchir à nouveau. Alors, je vais prendre la première catégorie que je vais appeler médiateurs, travailleurs sociaux. Vous êtes frein dans quelles circonstances? Vous êtes frein quand ces personnes disent que c'est mieux que vous écriviez à leur place. Vous le faites sans saisir cette opportunité qui vous est donnée pour aborder le sujet. Vous êtes frein lorsque vous remarquez que les personnes ont du mal à lire un plan, par exemple. Vous leur proposez d'aller à tel endroit avec un plan à l'appui sans prendre le temps de faire verbaliser le trajet. Ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Vous êtes frein, et ils ne reviendront pas vous voir. Quand vous remarquez que ces personnes ont des difficultés avec le temps, vous avez vu que les rendez-vous ne sont pas respectés, qu'ils sont manqués de façon régulière, ça peut être simplement une question de se situer par rapport à l'agenda, par rapport à l'heure, et vous passez ces difficultés sous silence. Vous êtes frein lorsque vous lisez à la place le document qu'ils vous apportent et que vous leur donnez sans leur demander ce qu'ils en comprennent. Vous avez vu l'interpellation par rapport à la notion de la compréhension. Dans quel cadre vous êtes levier? Alors, on va voir la chose en positif et non plus en creux. Vous êtes levier quand vous leur proposez d'écrire ce qu'ils peuvent et que vous prendrez le relais. Moi, j'aime bien dire on écrit à deux voix ou on prête sa main. Mais on prête sa main, mais vous essayez d'écrire. On sort les papiers d'identité, par exemple, parce que souvent, il faut écrire l'identité. Et on regarde sur les papiers ce que vous savez lire et écrire. Et puis, on va pouvoir, et c'est vous, apprenant, futur apprenant, qui allez écrire. Et vous prendrez le relais après. Mais ça vous permet d'avoir un objet qui permet de discuter avec l'autre de la difficulté à écrire. Vous êtes levier quand vous leur demandez ce qu'ils ont compris du document et les démarches qui en découlent. Vous laissez entrevoir qu'il y a parfois des choses qui sont écrites de façon compliquée. Vous dédramatisez. Mais en même temps, vous essayez de faire un pas avec eux. Vous êtes levier quand vous prenez l'initiative de parler de la difficulté en disant que vous avez compris leur souffrance. La chose la plus importante, c'est de comprendre dans l'empathie la souffrance de celui qui est en face de vous. Et ça, c'est au-delà des mots, vous le savez. Vous êtes levier quand vous parlez de la possibilité de réapprendre en leur disant qu'ils sont 2,5 millions de personnes. Donnez ce chiffre. Ça permet un travail d'identification. Vous pouvez aussi dire que tous les pays européens sont concernés. C'est Victor qui disait, pardon, j'ai compris qu'il y en avait plein d'autres, je suis sortie de la culpabilité. C'était plus de ma faute. Vous êtes levier quand vous en reparlez régulièrement, car les personnes ont besoin de temps pour cheminer. Vous êtes levier quand vous accompagnez physiquement. Vous êtes levier quand vous continuez à demander des nouvelles de la personne qui est entrée en formation, que vous avez orientée, pour parler des déstabilisations éventuelles, parce que ce n'est pas seulement franchir la porte, c'est tout au long de la formation qu'il y a de la déstabilisation. Pour éventuellement réorienter aussi lorsque la formation n'est pas adaptée. Parfois, vous avez orienté, mais ce n'était pas la bonne formation. Donc voilà, je vous invite à vous poser ces questions-là. Les bibliothécaires, vous êtes frein quand vous prenez l'inscription sans prendre le temps de dialoguer, de faire connaissance, vous donner un papier à remplir, vous avez entendu tout à l'heure, hein? Vous êtes frein quand vous ne prenez pas le temps de faire visiter les différents espaces, y compris l'espace enfant-jeune, même si la personne n'a pas d'enfant. Lundi dernier, on donnait une conférence avec des ambassadeurs et il y avait une bibliothécaire dans la salle et qui a interpellé les ambassadeurs. Et il y a une femme qui racontait qu'elle avait été humiliée parce qu'on lui avait demandé, elle avait pris des livres pour enfants et on lui a demandé si elle avait des enfants. Et elle dit, mais moi, je n'ai pas osé dire que je n'avais pas d'enfant.
Et mais pourquoi la bibliothécaire m'a demandé si j'avais des enfants? On est comme tout le monde. Autrement dit, attention à nos types de questions. Hein. On n'y pense pas à ces choses-là. Autrement dit, et elle disait, il y en a une autre qui disait, mais moi j'ai le droit d'apprendre à lire avec des livres pour enfants. J'ai le droit de prendre des livres sans qu'on me porte de jugement là-dessus. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne jugez pas par rapport à ça, mais mine de rien d'avoir dit, est-ce que vous avez des enfants, ça met l'autre en difficulté, parce que ben, ça renvoie encore à la honte. Vous êtes freine lorsque vous ne prenez pas le temps d'expliquer le mode de classement hein, et pour entrer sur l'ordinateur pour faire une recherche de livres dans un langage accessible. Quand vous ne prenez pas le temps d'accompagner la personne vers une tentative de choix, je ne sais pas si vous avez vu le film ou dit le film avec Gérard Depardieu, où la personne rentre dans, Gérard Depardieu rentre dans une bibliothèque et puis il va absolument lire parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lit des tonnes de livres. Et puis, il ne sait pas ce que c'est qu'une bibliothèque, puis il découvre tous ses livres, et puis tout d'un coup, mais quel livre vous voulez? Ben, il ne sait pas. Il ne sait pas lire, en plus. Donc, imaginez, vous les mettez face à un truc qui est immense. Donc, comment vous les allez accompagner en parlant, pas seulement des centres d'intérêt, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Il y a des livres, peut-être avec des images qui pourront aider. Hein. Cet univers si impressionnant pour rentrer dans le livre. Vous êtes levier quand vous laissez entrevoir que les espaces sont pour tous. Vous prenez le temps d'échanger sur les centres d'intérêt, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, et non pas qu'est-ce que vous aimez lire. Pour orienter vers des types de livres, de type, je mets entre guillemets, utilitaire. Il ne faut pas opposer utilité-plaisir, on le fait souvent. Mais en même temps, plus on a de difficultés, plus on cherche des livres entre guillemets utilitaires, c'est-à-dire des livres qui vont aider à comprendre des choses ou à faire des recherches pour les voitures, pour la cuisine, pour plein de choses. Mais on entre progressivement dans la notion de plaisir de lire un livre entier, très lentement, il faut des années, des années. Je me souviens d'un apprenant, on travaillait là-dessus, qui me disait, vous ne savez pas ce que c'est quand vous n'avez pas découvert l'émotion d'un livre. Il ne savait pas ce que c'était. Et à 50 ans, il découvrait ce que c'est que de pleurer en lisant un livre. C'était époustouflant. J'ai mis l'intégralité de cette interview dans le livre « Entreprendre de réapprendre » parce que je trouve que c'est important qu'on touche du doigt cette réalité. On ne sait pas ce que c'est que de l'émotion quand on lit un livre. Donc, aller progressivement vers le livre de type roman, c'est plutôt du livre autobiographique qui marche au début, souvent, je dis souvent. Vous êtes levier quand vous dédramatisez, quand une personne retourne un livre et qu'elle n'a pas réussi à entrer dedans. La faire parler, les mots étaient trop compliqués, et oui. Comprendre qu'on peut lire un chapitre, une partie, commencer au milieu, à la fin, je vous renvoie à Pénac. Lorsque vous avez le souci de proposer différents supports en fonction de leur complexité, ce n'est pas forcément que la collection en livres faciles. J'aime bien donner comme exemple cette femme, c'était dans les Deux-Sèvres, qui raconte qu'elle a demandé des livres sur Van Gogh. Je n'avais jamais entendu ça. Et vous savez pourquoi? Elle a expliqué pourquoi. Parce qu'elle a vu un tableau de Van Gogh qui l'a renvoyé. C'est le tableau qui traite de la misère, de la grande pauvreté, avec une charrette. Je ne sais pas si vous connaissez cette peinture. Et elle s'était dit, j'aimerais un jour lire des livres de Van Gogh et connaître mieux cet artiste. Elle en parlait autour d'elle, on lui offrait des livres de Van Gogh. Elle allait en bibliothèque, elle voulait des livres de Van Gogh. Et elle ne demandait pas des livres utilitaires, mais elle ne savait pas lire du tout. Et la première chose, quand elle est arrivée en organisme de formation à 70 ans, c'est de lire les livres de Van Gogh. Donc c'est important de ne pas... Et là, pourquoi? Parce qu'elle a été touchée quelque part. Ça a rejoint son expérience. Voilà, c'est la notion de l'expérience. Vous êtes levier quand vous proposez des livres autobiographiques se rapprochant de leur monde. Il y a Gérard Louviot, je ne sais pas si vous connaissez son livre, qui s'appelle « Orphelin des mots », qui vient de sortir il y a 2 ou 3 ans, qui est un apprenant, qui était à la chaîne des savoirs et il y a quelqu'un qui a prêté sa main pour écrire son histoire, qui est très intéressant et les apprenants le lisent parce que ça, c'est leur mot, ils s'y retrouvent, pour dire les choses autrement. Mais je pense à un apprenant agriculteur qui lisait du Claude Michelet parce que ça lui parlait beaucoup, voilà, sur la terre. Encore récemment, là, qui est-ce qui a dit qu'il lisait des livres audio? C'est Angelo. Tu lis des livres audio aussi. Angelo, il prend des CD et il dit, mais... C'est intéressant, il dit, je les mets dans ma voiture. Il ne sait pas du tout lire. Hein. Il démarre et dit, donc en audio, il lit des livres. Et il dit, je ne les mets pas à la maison, parce qu'à la maison, j'ai du travail, j'ai des choses. Autrement dit, c'est cet espace, vous voyez, c'est toutes ces notions de représentation autour du livre aussi. Le livre audio, c'est passionnant. Cette femme, lundi, racontait comment elle se sert du livre audio pour avancer. Et elle se sert du support libre en même temps que de la voix.
Vous êtes aussi levier quand vous favorisez des rencontres avec des écrivains, mais à la condition d'avoir à expliciter à l'écrivain en question que certains dans le public sont des recommençants à l'écriture et à la lecture et qu'il y a une véritable rencontre. Nous, on a expérimenté la rencontre avec Albert Jacquard où on a travaillé avec lui sur la question de l'intelligence. Il y a des apprenants qui ont acheté ensuite des livres sur la génétique et ils ont appris à lire avec des livres sur la génétique. Donc, je fais exprès de donner ces exemples-là pour dire que si on touche le centre d'intérêt, mais surtout si on touche à la rencontre, et en fait, c'est ça qui s'est passé. À la chaîne des soirs, on vient de rencontrer un artiste, et cet artiste a partagé des choses avec nous, et il nous a aidé à entrer dans son art en nous faisant travailler dans son atelier. Et il y a une apprenante qui a acheté son livre autobiographique, et c'est extraordinaire le chemin qu'elle fait depuis en lecture. Voilà, je vous donne des exemples. S'il fallait résumer, vous êtes levier quand vous privilégiez la relation et que vous êtes réellement une médiation pour favoriser l'entrée dans la lecture sous toutes ses formes. Voilà, ça c'était pour les bibliothécaires. Les formateurs, vous êtes un certain nombre là, être formateur alors à plusieurs niveaux, hein, dans différentes, avec différents types de publics. Vous êtes freins lorsque vous découpez les séances en cours par matière, le cours de français, le cours de maths, comme à l'école, et qu'il n'y a pas une approche multiréférentielle. En clair, on ne touche pas, on ne favorise pas l'accès au sens de la lecture, de l'écrit, du calcul. On ne favorise pas le transfert de l'apprentissage. Je fais référence à des notions pédagogiques que vous connaissez. Vous, quand vous mélangez les publics avec des problématiques différentes, je le vois encore trop, beaucoup trop. Les personnes, je dis toujours un public chasse l'autre, mais les personnes en situation d'illettrisme mélangées à des personnes en situation d'analphabétisme ou FLE fuient la formation. Et je pourrais vous dire, si vous avez encore des scrupules par rapport à ça, demandez à rencontrer les ambassadeurs, ils vous raconteront toutes leurs mauvaises expériences dans ce sens-là. Et ils ont fui, et heureusement qu'ils ont rencontré l'EFOP. Et d'autres qui sont dans la salle et qui travaillent autrement. Vous êtes levier, non, vous êtes frein quand vous proposez des groupes trop importants. Alors quand je dis ça, je m'adresse aussi aux financeurs, parce que c'est aussi le mode de financement qui est derrière. En nombre. Quand vous êtes frein quand vous proposez des lieux trop loin du domicile de la personne. Notamment, vous avez répondu à un appel d'offres, vous acceptez de prendre des formations en rural, il y a 50 km, les personnes doivent faire 50 km, elles n'y vont pas. Vous êtes levier lorsque vous prenez le temps d'un accueil en individuel. Ça prend une heure, mais ce n'est pas du temps perdu. Et pas seulement individualisé comme on met dans les appels d'offres. Pour comprendre l'histoire de la personne et mieux saisir ses besoins, savoir, intégrer le savoir dans une histoire, comme je dis souvent. Vous êtes levier quand vous constituez des petits groupes. Alors moi, j'ai fait toute une approche théorique et pratique avec les apprenants. J'avais la chance de pouvoir le faire. J'ai commencé à 12, puis j'ai diminué. Je suis arrivée à 8. 8, c'est bien parce qu'il y en a souvent 2 de malades ou d'absents. On est à 6 et à 6, on peut vraiment travailler. Alors je m'adresse aux financeurs derrière parce que ça veut dire que le calcul de leurs stagiaires, ce n'est pas tout à fait le même si on veut s'en sortir et payer ses salariés. Mais à condition, y compris à 6, quand on a des débutants avec des niveaux 3, là je fais référence à la grille de la NLCI, des niveaux 1 à niveau 3, c'est bien d'avoir des formateurs bénévoles, donc ça suppose de ne pas opposer salariés bénévoles. Je sais que c'est problématique dans certaines structures, et notamment quand on est financé par la région. Vous êtes levier quand vous contextualisez les apprentissages, c'est un terme qui vous parle, sans nécessairement tout axer sur du fonctionnel, mais en proposant de suggérer des thématiques qui rejoignent bien les apprenants. Donner la possibilité aux apprenants d'avancer dans des analyses. Je vous ai donné l'exemple. On a appris à lire à partir d'une recherche sur pourquoi c'est si difficile de franchir le pas. Et ils ont appris à lire. Ça les concernait, ils étaient intéressés. Et pas seulement remplir des chèques, même si c'est important, et pas seulement remplir les feuilles de la sécu, etc. Je dis « et ». Parce qu'on a aussi l'inverse. Il y a des gens qui vont dire dans le tout culturel et pas du tout les papiers et l'inverse. Complexité des apprentissages, il faut travailler à tous les niveaux, dans le rapport à l'apprendre, dans le rapport au savoir, dans le rapport à l'écrit. Mais mettre les apprenants en position d'acteurs-chercheurs, ça change tout, ça leur donne envie d'apprendre, ça leur donne envie d'aller chercher, d'aller faire des recherches, y compris sur Internet. Mais aussi des thèmes qui les préoccupent, par exemple le système scolaire des enfants, qui ne comprennent pas toujours, mais aussi le droit à la santé. Et puis, je vais m'adresser aux financeurs et aux élus, et j'invite et le monde institutionnel, et j'invite les institutionnels qui sont là et qui représentent aussi les autres, hein, à réfléchir à différentes choses. Vous êtes frein lorsque vous mettez en place un dispositif à court terme, avec un nombre d'heures réduit, sans possibilité de renouvellement, et parfois, entre guillemets, avec un rythme intensif. On verra ce qui est bien comme rythme.
Vous êtes freins lorsque vous mettez les structures en concurrence sur les appels d'offres. Dieu sait si je soulève un lièvre. Alors que paradoxalement, vous exigez de penser un parcours dans un cursus avec différentes structures. Oui, vous les avez mis en concurrence, mais il va falloir que vous travaillez ensemble. En plus, il se trouve que telle structure est en difficulté, est obligée de licencier, et c'est le concurrent qui a repris le salarié. Vous connaissez ça, les salariés. Vous êtes un moment chez tel organisme, et dans un autre, 8 jours après, et après, on vous demande de travailler et de partager vos outils pédagogiques avec ceux que vous avez construits dans l'ancienne structure, et vous êtes concurrent. Hein ? C'est compliqué, tout ça. Vous êtes freins quand vous refusez de penser à un dispositif qui finance la première étape essentielle. Elle n'est jamais financée, la première étape. La première étape, c'est du temps pour aller chercher le public, les 99% qui ne viennent pas. Et ça, ça se finance. Autrefois, on avait des dispositifs permanents qui finançaient cette période-là. Il y avait des enveloppes, il y avait des subventions, et les structures de formation pouvaient découper ce temps. Et à ce moment-là, on avait les vraies personnes en situation d'illettrisme dans les formations, qu'on n'a pratiquement plus. Moi, je suis effarée de voir la dégradation des conditions de travail des formateurs, et la dégradation des modes de financement dans les nouveaux systèmes avec le code des marchés publics et le système des appels d'offres. On pourra en discuter si vous voulez. Vous êtes levier lorsque vous privilégiez les structures de proximité qui ont répondu à l'appel d'offres, insérées dans le tissu social et culturel local, qui pourront proposer une démarche de formation à un public qu'ils connaissent bien. Quand je vois les structures qui sont insérées dans le tissu social, qui connaissent parfaitement et qui travaillent des fois dans le même lieu, les gens qui travaillent à l'accès à la santé, à l'accès à l'emploi, qui ne sont pas loin, aux droits des femmes, etc., etc. Et tout ce monde-là se connaît, et à un moment donné, c'est la rencontre qui va jouer. Ils vont se débrouiller entre deux portes pour faire se rencontrer quelqu'un, et ça va être enclenché. On n'est pas dans quelque chose d'administratif qui va demander des mois d'attente et qui fait qu'on va perdre 99% des gens. Vous êtes levier quand vous choisissez des structures de formation au-delà du seul critère de coût horaire. On avait du coût heure groupe. Parfois, hein, suivant, moi je me balade dans différentes régions en France. Effectivement, il n'y a pas toujours les mêmes dispositifs d'une région à l'autre. Et puis, vous êtes levier quand vous ne choisissez pas seulement les structures au moins 10 ans, quand vous regardez la qualité de ce qui est fait. Vous êtes levier quand vous prenez le temps d'aller rencontrer les structures sur le terrain et rencontrer le public. C'est la meilleure évaluation possible de se rendre compte de l'efficacité d'une structure. Autrefois, il y avait des chargés de mission dans les DDTE, DDTERF. Je ne sais même plus le dire. Vous voyez, j'ai oublié. Moi aussi, j'ai oublié. FP à la fin. il y avait une évaluation qui a été faite avec les stagiaires. Et là, les gens se rendaient compte. Alors, bien sûr, on pouvait briefer les stagiaires, mais quand même, on peut se rendre compte des choses. Vous êtes levier quand vous cherchez à proposer des financements pérennes. Quand je dis pérennes, c'est pas sans rien évaluer du tout, mais en tout cas sur de la durée. Vous êtes levier quand vous évaluez le nombre de personnes en situation réellement touchée, en faisant attention au glissement des publics par problématique. Quand je dis ça, attention, c'est pas qu'il faut pas donner de réponse pour l'alpha, pour le FLE. Il faut qu'il y ait des réponses, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez ni pour le FLE ni pour l'alpha. Et il n'y en a pas assez pour les personnes en situation d'illettrisme. Mais les problématiques doivent être traitées séparément si on veut toucher les 99% qui ne viennent pas. Mais pour ça, ça suppose d'évaluer. Et quand on ferme les yeux sur le peu de personnes en situation d'illettrisme dans les structures de formation, on se voile la face. Mais du coup, on ne favorise pas l'entrée de tous ceux qui se cachent. Donc moi, j'aimerais qu'il y ait une évaluation réelle. À dire à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, de travailler à mettre en place une évaluation pour savoir où sont les personnes en situation d'illettrisme, dans quel organisme, et est-ce qu'elles ont vraiment toute leur place. Vous êtes levier quand vous vérifiez que les intentions rédigées dans les appels d'offres sont réellement mises en œuvre, et pas seulement de dire qu'on fait de la pédagogie centrée sur la personne. Ça peut se vérifier en regardant les supports écrits des apprenants. Quand je vois des apprenants qui sont avec leur classeur et je vois uniquement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais des exercices de grammaire, d'orthographe, qui plus est sur des supports qui sont ceux de l'éducation nationale. Je ne suis pas contre l'éducation nationale, sauf qu'on n'est pas avec du langage d'adulte, d'enfant. Dans ce support, on est sur du langage d'enfant. On est dans l'andragogie, la pédagogie des adultes, comment on fabrique ou comment on va chercher sur Internet ou ailleurs dans les centres ressources des supports adaptés aux adultes. Comment on travaille de réelle contextualisation des apprentissages qui prend appui sur une démarche qui favorise la participation des apprenants.
Vous êtes levier lorsque vous acceptez la complémentarité salarié bénévole, y compris quand c'est un financement conseil régional, y compris quand c'est des objectifs de formation pour l'accès à l'emploi pour les personnes en situation d'illettrisme. La compétence n'est pas seulement que du côté des salariés. Je forme aussi bien des salariés que bénévoles, et je peux vous dire que des deux côtés, il y a des gens compétents. Vous êtes levier quand vous travaillez à la mise en place d'ateliers permanents de lutte contre l'illettrisme. Ça veut dire entrée-sortie permanente, ça veut dire un salarié qui coordonne à minima, hein, et même plusieurs avec des bénévoles. Ça veut dire proximité, ça veut dire pas de temps limité, ça veut dire la conception de la formation tout au long de la vie. Ce n'est pas nous qui allons mettre le seuil quand est-ce qu'on n'est plus en situation d'illettrisme, il n'y a que la personne qui le dira. Pour résumer, vous êtes levier quand vous co-construisez avec les différents acteurs de la lutte contre l'illettrisme, dont les structures de formation, dont les apprenants, dont les personnes en amont qui sont les médiateurs, travailleurs sociaux, les services d'insertion par l'activité économique, les structures d'accès à l'emploi, et quand vous travaillez dans une logique ascendante et non pas descendante. Il est juste le temps pour donner la parole et vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un veut au fond, commencer là-bas. Une question ? J'ai pas vu les mains. Si j'en vois une là-haut, je vais. Merci. Je me présente, je m'appelle Pierre-Louis Serrault, je suis membre de l'association Parlons-en, qui depuis 2009 à Grenoble rassemble des personnes à la rue en grande précarité. C'est un espace de parole et de projet. Ce que vous dites sur l'écriture, c'est que nous le vivons par rapport à la parole. Merci. Nous avons des gens qui viennent. Nous, on fait ça une fois par mois. Et c'est donc le dernier, c'était mercredi, c'est sur la question de la Manche. Ils viennent, ils ne disent rien. Mais absolument rien. Ils nous regardent, ils donnent juste leur prénom quand on fait le tour de présentation. Et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment. À un moment donné, c'est de jauger l'ambiance, comment les gens se comportent, comment, quelle est la nature de la parole. Ils se mettent à parler. Et là, ce qui fait le 20 octobre, avec toujours un questionnement. Parler, mais pourquoi faire ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc on fait un truc, là, le 20 octobre, silence, on part, là, un samedi, pour justement pour embrasser toutes ces paroles. La question que moi, je me pose en tant que membre d'une association, on a été au budget participatif pour avoir un local. Donc on va l'avoir, il va nous être livré en septembre 2019. Sauf que moi, je suis venu aujourd'hui parce que j'ai une question pratique. Un type, un jour, m'a dit, je vais montrer un article qui disait « Super, le Parlons-en a le lieu ». Il m'a dit « Je ne sais pas lire ». Et là, je suis resté bête. Je n'ai pas su quoi faire de cette parole. Donc la question que je me demande, c'est moi, acteur social sur la place de Grenoble, comment j'accroche des gens qui, de toute façon, ne sont pas connectés. Tout ce que j'ai entendu là, je l'ai entendu l'année dernière, quand la ville de Grenoble a créé la plateforme d'accès au droit. L'Odénor qui travaille là-dessus aussi. C'est comme si, moi je suis à l'AMRI, au CA de l'AMRI au niveau régional, qui travaille sur l'exclusion. La question de l'illettrisme n'est pas traitée. À quel moment les acteurs du culturel, du monde littéraire, de l'écrit, se connecteront au social ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Et juste pour dire, pour terminer sur ce que je ne lis pas de littérature. Les deux livres que j'ai lus, c'est un livre que j'ai emprunté en bibliothèque et j'ai mis beaucoup de temps à rendre sur la mixité sociale, une imposture, et un autre sur les inégalités environnementales. Parce que la littérature, je sais, vu mon profil et vu que je suis un homme, ce n'est pas fait pour moi. Il suffit de regarder une composition de salle quand il y a une rentrée littéraire. Donc je dirais, la question, c'est comment... Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme processus pour connecter ces deux mondes qui, vu quand même, moi, de là où je suis, me paraissent faiblement connectés. Merci. Alors, quand vous parlez de connexion, est-ce que vous parlez aussi de connexion avec les médias et avec l'informatique, etc., ou c'est vraiment la connexion dans la relation ? Oui. 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 Oui.
Oui. Si on extrapole ça sur les 450 habitants de la métropole, oui. On en a plusieurs dizaines de milliers. Tout à fait, tout à fait. La question, c'est comment que fait-on ? Oui. Alors là. Oui. Alors. C'est évident qu'il faut que vous travailliez avec les structures. Là, il y en a plusieurs hein, qui sont. Vous avez le centre ressources illettrisme aussi qui fait toutes ces connexions. Hein, qui, c'est son travail de mettre en lien les médiateurs, de les sensibiliser, de les former. Elle est où Ah, voilà. Voilà, Iris, vous pouvez vous mettre en contact avec Iris pour voir comment faire. Mais ce monsieur que vous avez rencontré, ben, comment vous allez. C'est ça votre responsabilité. Comment vous allez partir de ça. Ah oui, vous ne savez pas lire et écrire. Bon, est-ce que vous aimeriez apprendre et commencer à parler de son histoire ? Parce que c'est ça, c'est ouvrir la porte, c'est parler de son histoire. Est-ce que ça fait depuis longtemps ? Est-ce que vous avez été un petit peu à l'école ? Comment ça s'est passé ? De lui permettre de livrer ce qu'il a sur le cœur, ce qu'on disait sur une des diapos. Lui permettre de dire son expérience difficile d'apprentissage. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, tout ce qu'on a dit tout à l'heure ? Est-ce que vous aimeriez apprendre à lire ? Rencontrer quelqu'un qui a commencé un chemin d'apprentissage. Là, vous allez voir le maillon de la chaîne des savoirs, vous allez rencontrer l'EFOP. Voilà. Et là, vous pouvez, par Iris, avoir toutes les connexions possibles. Mais c'est dans un tissage. Pour moi, je parle du mot tissage. Tissage de relations entre mondes. Vous parlez de monde pas connecté. Voilà. Effectivement, comment le monde du social, du culturel, etc., comment il va y avoir des interfaces qui vont se faire. Et je vous renvoie votre responsabilité pour aller voir où il y a des lieux possibles de connexion. Mais votre responsabilité, c'est de parler déjà avec la première personne que vous rencontrez qui vous dit ça. Et pourquoi pas faire un thème autour de ça ? Et si vous organisez un espace de parole avec les ambassadeurs qui sont là, sur la lecture, en présence de cette personne ? Par exemple ? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions ? Voilà, moi je m'occupe d'une personne à qui j'essaye d'apprendre à lire, mais bon, ça fait un an que j'essaye, il n'y a pas trop de résultats. Je voudrais savoir où me tourner et où est-ce que je peux l'envoyer, justement. Vous le faites de façon individuelle ou vous n'êtes pas relié à l'organisme ? Oui, comme ça, bénévolement, c'était une amie, une voisine. Et j'ai su, petit à petit, elle a ses deux petites, une petite à l'école qui vient de rentrer en CP, mais, et elle ne fait que lui répéter, mais je ne sais pas lire, alors je ne peux pas t'aider. Donc, je voudrais apprendre à lire en même temps que la fille. C'est une personne en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme ? Je ne sais plus la différence. Est-ce qu'elle était scolarisée ? Non, très peu, parce qu'elle était en famille. Elle me disait qu'elle était en famille d'accueil. Oui, d'accord. Et qu'elle ne voulait pas aller à l'école, donc sa mère ne l'envoyait d'accord. pas. D'accord, donc plutôt une situation d'illettrisme. Oui. Mais écoutez, vous allez voir Iris, le centre ressources, qui vous orientera vers les réponses possibles en fonction du lieu géographique de cette personne. D'accord, merci. Un centre ressources est chargé de mettre les gens en relation, les acteurs, l'ensemble des acteurs de la lutte contre l'illettrisme et d'analphabétisme. Tu veux dire quelque chose ? Tu veux dire quelque chose ? Bonjour, moi je suis bibliothécaire. C'était juste une petite remarque aussi sur l'importance du lieu. Oui. Il nous arrive quelquefois de faire des actions hors les murs. Oui. Où la rencontre se fait, où là on a l'impression d'être levier, et où dans ce que vous expliquiez avec les institutions, notre difficulté c'est on va une fois hors les murs, puis après on reste dans nos murs, et c'est 99%. On les a, je sais pas comment dire, on a créé un premier contact. Et après, comme vous dites, c'est eux qui doivent faire tout le chemin pour venir après nous voir. Et moi, je trouve que c'est ce... Voilà, il reste un pont énorme là à travailler. Et je pense que c'est en lien aussi avec le lieu physique de la rencontre. Alors là, je vais donner quelques petits exemples, des pistes. Je ne sais pas si Odile, tu veux expliquer peut-être ce que vous avez mis en place, une bibliothèque à l'intérieur du LEFOP, le lien avec la bibliothèque, ou tu veux que j'en parle ? Jean-Paul ? Non, vas-y, tu peux. Il y a des passerelles à mettre en place. Hein.
Effectivement, quand on fait bibliothèque de rue, etc., il faut des étapes. Le lieu fait... Moi, j'ai mené beaucoup de recherches avec des apprenants, hein, c'est dans ma démarche. Et à chaque fois, plusieurs fois, on a fait hors bibliothèque, mais on l'avait préparé. Et on prenait des petites bibliothèques de quartier, parce que c'était trop difficile, la grande bibliothèque qui fait peur. Voilà. Mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Voilà, il fallait établir des passerelles. Donc après, il faut voir avec les... suivant les lieux où vous allez, mais voir... Par exemple, là, j'étais très intéressée de voir ce que vous avez mis en place, Odile. Tu peux en dire deux mots ? Je suis moins à l'aise que les ambassadeurs. Du coup, les FOP, on se rendait compte, en effet, que les personnes que nous accueillons avaient du mal à aller à la bibliothèque, à prendre des livres. Et donc, en réflexion avec Annie et la bibliothèque de Grenoble, on a décidé d'essayer de créer un sas entre les FOP et la bibliothèque. Donc, en fait, on a été choisir des livres. Enfin, c'est un travail qu'on a travaillé ça avec les apprenants du FOP. Et donc, on a choisi des livres et ils ont réfléchi à quel type de livres ils voulaient dans cette bibliothèque, à comment est-ce qu'on pouvait gérer les prêts. En fait, on a mis en place avec eux un système de prêts, travailler sur la durée, quand on ne rend pas le livre, combien de temps. Et tout ce travail-là, du coup, a permis que les personnes impliquées se rendent compte de ce que c'est qu'emprunter un livre, avec toujours cette idée, enfin, Anne l'a bien dit, on emprunte un livre, qu'on soit bénévole au LEFOP ou apprenant, et on ne nous demande pas de compte sur est-ce qu'on l'a lu, pas lu, qu'est-ce qu'on en a pensé. On n'en parle que si on veut. Anne disait tout à l'heure qu'Angelo avait découvert le livre audio. Ben, pour lui, ça a été vraiment une découverte qu'il a pu faire grâce à cette petite bibliothèque qu'on a appelée Objectif Livre. Voilà. Donc ça peut être en effet un sas. Oui, il faut aménager des espaces de transition. Oui. Oui. Merci. Mais du coup, moi, j'avais deux questions par rapport à ce que vous avez dit, et vous et les ambassadeurs du savoir. Vous avez parlé d'un rythme de formation intensif ou trop intensif, et en disant, je vais vous préciser tout à l'heure. Donc, j'aurais bien voulu des précisions. Et quant à ma deuxième question, qui s'adresse plutôt aux ambassadeurs du savoir, c'était, deux personnes ou une personne qui a dit... Lire, ça va, mais écrire, c'est compliqué. Et je voulais savoir si c'était la question du geste de l'écriture ou si c'était lire un autre mécanisme. Parce que pour moi, ça allait ensemble de pair. Oui. Voilà. Oui. Alors, la question du rythme, on a expérimenté des choses par approche successive. Et par exemple, ce qui s'est mis en place ces dernières années, je trouve que c'est très intéressant de dire en extensif, c'est-à-dire deux fois par semaine. Ce qui se fait d'ailleurs pour les ASL, souvent les ateliers sociolinguistiques, deux fois par semaine, plutôt l'après-midi en règle générale, quand c'est du groupe. Après, si c'est de l'individuel, vous voyez avec chaque personne. Parfois, certaines personnes viennent une fois par semaine quand c'est individuel, et c'est largement suffisant, même si pour nous, pédagogues, ça ne semble pas suffisant. Mais c'est mettre le pied à l'étrier. Donc ça peut être en individuel une fois par semaine, d'augmenter à deux fois par semaine quand c'est possible, et pour les uns et pour les autres. Et quand c'est en groupe, deux fois par semaine sur des plages de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures maximum, à condition qu'il y ait des pauses, c'est vraiment le maximum. Parce que c'est trop dans la tête, comme ils disent. Donc ça, il faut faire très, très attention. Quand j'ai vu des stages de 20 heures, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus qui sont rémunérés maintenant, de toute façon. Mais il faut faire attention. Le rythme doit être adapté aux personnes, être assis. Et puis la pédagogie, bien sûr, derrière ça. Alors, l'écrit. Pourquoi c'est plus difficile d'écrire que de lire ? Qu'est-ce qui est difficile dans l'écriture ? Mohamed, tu veux dire quelque chose ? Là où c'est difficile, c'est... Pourquoi on met... Il y a toujours un M. Ah oui. Avant le B. Oui. Pourquoi il y a un M avant le P? Oui. C'est plein de... Oui, c'est les règles de grammaire. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est... Voilà, quoi. C'est... Et est-ce que le fait d'oser écrire des choses, est-ce que c'est difficile, ça? D'oser mettre par écrit sa pensée. Tu veux dire quelque chose, Sabrina, là-dessus? Oui. Il y a plusieurs choses. Il y a des composantes. Bien sûr, il peut y avoir la composante du geste graphique, mais en général, ils l'ont, le geste graphique, puisqu'ils sont allés à l'école.
c'est la compréhension effectivement des règles. Alors après, il faut avoir une approche autre que par la règle déductive. Là, j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour les formateurs, mais de passer de l'induction, non pas à la déduction tout de suite. Et puis, il y a le psychologique qui est très, très fort. Quand on a connu l'échec, quand on a été jugé sur son écriture, on n'ose pas. Et on a entendu l'exemple, je mets la première lettre du mot, je ne mets pas la suite, hein, pour pas qu'on reconnaisse mon écriture. Et là, il y a une dédramatisation à faire. Il y a oser écrire comme on pense. Même si c'est phonétique, ce n'est pas grave, c'est déjà de l'écriture. C'est faire à deux mains, voilà, quand on est fatigué, l'autre continue, mais c'est la pensée de l'apprenant qui est d'abord prise en compte. Voilà. Sur le plan, c'est plus difficile d'aller à l'écriture qu'à la lecture, sur le plan cognitif. Ça met en jeu d'autres composantes bien plus complexes. Donc voilà, donc il faut savoir qu'il faut du temps. Moi je dis souvent, accepter de prendre 10 ans. Alors, les financeurs vont dire, ah, 10 ans, non. Eh bien si, mais 10 ans, alors je ne sais pas où on va mettre le curseur au niveau du seuil, mais autrement dit, 10 heures, 2 heures, 2 fois par semaine, moi je vais faire le calcul, par rapport à l'école, ça fait 2 ans de scolarité, c'est pas grand-chose. Hein. Donc, et puis on apprend tout au long de la vie, c'est quand même le concept de l'UNESCO. J'ai oublié de vous dire, les apprenants peuvent aussi vous aider à penser les choses. Et là, même si on n'a plus beaucoup de temps, on a mis un petit peu sur cette diapo... différentes choses qu'ils ont fait, les ambassadeurs. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez dire en deux mots? Non. Je ne sais pas si on va avoir le temps. En tout cas, si vous avez envie de communiquer et que vous rencontrez des gens en difficulté, n'hésitez pas à solliciter le maillon pour établir des ponts, des rencontres. C'est la rencontre interpersonnelle qui va favoriser. On arrête là. Oui, parce qu'il y a Anne qui doit... Oui. Oui, une autre question? Oui. On vous entend, on vous entend. Oui, oui. Deux. Est-ce que vous distinguez donc le repérage et la prise en charge de l'illettrisme dû à des facteurs extrinsèques comme la déscolarisation, de l'illettrisme qui serait dû à des facteurs plutôt intrinsèques comme par exemple la difficulté neurodéveloppementale d'appréhension de la lecture? Oui. Est-ce que pour vous, vous faites une différence dans la prise en charge, dans le repérage, par rapport à cet illettrisme qui n'est pas généré du tout par les mêmes facteurs? Oui, mais en règle générale, alors pour avoir une expérience de 35 ans de rencontres et de travail en tant que formatrice aussi avec ce public-là, je peux dire que, et moi j'ai une perspective, une approche plutôt systémique, je veux dire il y a et. Il peut y avoir des problèmes intrinsèques, il peut y avoir des problèmes extrinsèques. Alors après, effectivement, l'évaluation, est-ce qu'on l'a fait de façon systématique avec des tests, hein, on peut en faire, ou est-ce qu'on l'a fait par petites approches successives? Et à un moment donné, on pourra, je donne un exemple, par exemple, effectivement, quand il y a des facteurs liés à des dysfonctionnements, comme les DYS. Hein. Bon, Bruno en a parlé tout à l'heure, il y a un moment donné, bah, peut-être qu'effectivement, il faudra faire venir ou envoyer et proposer à la personne d'aller voir un orthophoniste pour un vrai bilan orthophonique. C'est évident, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que la personne, elle est dans son magma avec toute son histoire. Il faut déjà apprendre à démêler les choses. Oui, pourquoi sortir de la culpabilité? Parce que c'est de ma faute si je ne sais pas lire et écrire. Donc, il va falloir poser différentes choses. Et il y a toujours du « et ». Je ne sais pas si j'ai répondu. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, ça va être la dernière question. Ça va être terrible. Vous disiez que le public illettré fouillait quand il était mélangé à un public à situation dans l'alphabétisme. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons que vous pouvez nous donner là comme ça? Pourquoi le public fuit? D'abord parce qu'ils s'en prennent plein les dents. Quand on leur dit, j'avais déjà, quelqu'un me l'a dit encore hier soir, j'étais dans un lieu où j'étais mélangée avec d'autres qui étaient plutôt analphabètes, et les autres m'ont dit, mais pourquoi toi t'es allée à l'école? Première chose, ils se prennent ça en pleine figure. Comment ça se fait que toi, tu ne sais pas lire alors que tu es allé à l'école? Donc, on en rajoute une couche. Voilà. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est que la personne qui est analphabète, par exemple, elle a besoin d'apprendre la graphie des lettres quand elle n'a jamais été scolarisée, confrontée au code écrit. Il faut apprendre, il y a des apprentissages qu'il faut faire. La personne en situation d'illettrisme, elle sait parfaitement maîtriser la graphie des lettres. Son problème, ça va être de pouvoir mettre par écrit, d'accéder aux mots, au sens des mots. C'est un autre type de travail. Il y a aussi une composante psycho
logique, psycho-affective, psycho-cognitive qu'il va falloir prendre en compte, qu'il n'y a pas souvent besoin de prendre en compte chez les personnes analphabètes. Alors après, pourquoi elle fuit? C'est parce que quand on a été humilié et quand on est en situation d'illettrisme, on intègre le fait de ce que disait Victor, on pense qu'on est les seuls et on ne comprend pas pourquoi on est allé à l'école et pourquoi on n'a pas appris à lire. Et donc, en fait, ça fait un manteau, comme ils disent, un manteau sur le dos qui est encore plus lourd. Et d'avoir à le justifier aux autres, c'est extrêmement difficile. Comment ? Oui, je suis allée à l'école, mais je ne sais pas. Et tant qu'ils n'ont pas, il faut qu'ils puissent se rencontrer avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose pour que ça fasse un effet miroir. Moi, si je leur dis, mais non, il y en a d'autres, il y a 2 millions et demi de personnes. Oui, ok. Mais si je leur permets de rencontrer d'autres qui ont la même histoire, ils vont se reconnaître et du coup, ils vont sortir d'une certaine culpabilité, ils vont sortir d'un certain, de la caverne, ils vont oser se mettre en route parce qu'ils vont dire « Ah oui, mais on est des millions ». Et du coup, ça va prendre aussi une dimension un peu plus politique d'apprendre, dans le sens de prendre sa place, de prendre son pouvoir, parce qu'il y a aussi tous ces rapports de domination de pouvoir qui ont joué pendant un certain nombre d'années. Donc c'est important de rencontrer des gens qui sont comme soi, en effet miroir, pour travailler le processus identitaire. Je suis comme un autre, mais dans cet autre, on a la même histoire. Donc il y a des causes, pour reprendre vos termes, extrinsèques, qu'il va falloir pouvoir analyser. Oui, je ne suis pas seulement responsable de mon illettrisme. Notre pays n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas d'échec scolaire. Voilà, et on va analyser ça, et on va en sortir comme ça ensemble. Tandis que la situation d'analphabétisme, elle est claire, il n'y a pas eu d'école. Voilà. Et alors, moi, je suis frappée de voir comment les personnes ont besoin de ce temps d'identification. Voilà. C'est la première construction qui va leur permettre d'entrer à nouveau, réentrer dans la lecture et dans l'écrit. Ça va ? Parce que moi, j'ai une autre expérience qui, oui, au contraire, au lieu de faire porter un manteau plus lourd, oui, les faisait valoriser leurs compétences en étant une aide pour les personnes qui étaient, oui, en situation d'analphabétisme. Alors, il y a des exceptions qui confirment la règle. Quand je dis ça, c'est d'une façon générale parce que je vois tout ce qui se passe en France. Mais je peux vous dire qu'on fait la même analyse. Je suis amenée à intervenir en Belgique, en Suisse, dans notre pays francophone où il y a le même problème et où il y a, dans ces petits pays en plus, où il y a ce mélange de populations. Et en fait, ils sont en train de se reposer la même question en disant on n'a plus les personnes en situation d'illettrisme dans nos lieux de formation. Alors attention, quand j'ai dit ça, je ne dis pas qu'il faut maintenir ça. Ça veut dire dans un premier temps, pour les apprentissages premiers, il faut pouvoir favoriser l'apprentissage entre pairs, PAIRS, et ensuite proposer des passerelles. Et l'idéal, c'est aussi de proposer des passerelles socioculturelles où on va faire des choses ensemble avec d'autres, parce que sinon, on entraîne de la xénophobie. Sinon, on entraîne... Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, il faut... C'est plus pour construire les apprentissages. Mais on peut, il y a des exceptions qui confirment la règle, notamment quand les groupes sont tout petits. D'abord, je vous remercie vraiment infiniment, Anne Vinerier, de tout ce qu'elle nous a apporté là. Je pense qu'on peut encore l'applaudir chaleureusement. Et puis merci beaucoup, beaucoup aussi aux ambassadeurs de la chaîne des Savoirs. Je pense que c'est aussi des témoignages rares. Donc, je laisse la parole à Anne Messeyer. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Merci de l'invitation. J'ai plus beaucoup de voix parce que je parle beaucoup ces derniers jours, puisque voilà, nous sommes dans la semaine des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et ce qui fait que je bouge pas mal. Et voilà, je suis ravie d'être venue là cet après-midi. Je vais faire court. Simplement redire un petit peu ces journées nationales d'action contre l'illettrisme, à quoi elles correspondent et pourquoi elles sont importantes. Vous vous souvenez, pour certains, et Anne Vinerier l'évoquait, 2013, année où l'illettrisme a été déclaré grande cause nationale. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'en parler plus. Qu'est-ce que ça n'a pas permis? Ça n'a pas permis d'avoir des financements plus importants, voire même... On peut se dire qu'à certains moments, ça a peut-être... Voilà. Alors ça, c'est aussi tout le rôle de la lutte contre l'illettrisme dans notre pays, la manière dont c'est organisé politiquement et dont ça fonctionne. Toujours est-il que la NLCI a pour mission quand même aussi essentielle, de même que... Alors moi, je suis chargée de mission régionale auprès du préfet de région et je suis la correspondante régionale de la NLCI. On a quand même tout intérêt, on a pour mission en tout cas, et ça rejoint celle des centres ressources
illettrisme aussi, de parler d'illettrisme, d'en parler régulièrement, d'en parler dans les médias, chaque fois que c'est possible, en essayant de faire en sorte que les propos soient le plus clairs possible et qu'il n'y ait pas d'amalgame et de confusion. L'idée, c'est aussi de pouvoir rendre visible ce qui existe. Alors évidemment, il n'existe pas suffisamment. Évidemment, à certains moments, il a existé, à d'autres, il existe moins. Bon, moi, je travaille sur la question depuis 30 ans. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'on a un peu des fluctuations. Il y a des moments où, voilà, quand c'est l'État ou quand c'est d'autres acteurs, ou quand c'est... il y a plus d'action. Il y a des moments où il y en a moins. Néanmoins, ce qui est important, c'est que malgré tout, la question de l'illettrisme est de plus en plus connue, partagée, même s'il y a encore des petites confusions. Il y a quand même de plus en plus de gens qui... ça y est, que ça titille et qui se disent « Ah oui, oui, est-ce que ça serait pas ? Est-ce que... » Mais j'ai entendu un truc là-dessus l'autre jour. Et ça, ça veut dire que c'est toujours important d'en parler. Ça veut dire aussi que ces campagnes-là... Alors, il va y avoir, je le cite tout de suite pour pas l'oublier, un film, une soirée spéciale consacrée à la question de l'illettrisme mardi prochain, qui va être composée donc sur France 3 d'un film qui s'appelle « Illettré », qui a été tiré d'un roman qui est paru l'année dernière, me semble-t-il. Et suite à ce film, il y aura aussi un reportage sur une structure qui, dans le nord de la France, accompagne des personnes en situation d'illettrisme depuis des années et des années. Donc, ce qui est important aussi, c'est que les personnes concernées sachent qu'il existe des choses. Pour travailler dans le domaine depuis des années, j'ai été formatrice au départ, j'ai toujours été, j'ai presque envie de dire révoltée, par le fait que les personnes qui arrivent enfin à trouver une porte qui s'ouvre, une formation, un accompagnement, une association, qui va correspondre à leurs demandes, à leurs besoins, dans laquelle ils vont être accueillis et dans laquelle ils vont pouvoir progresser, qu'est-ce qu'ils disent tous ? Si j'avais su avant, je ne savais pas que ça existait. Je pensais que la formation, ce n'était pas pour moi. Donc ça veut dire que voilà, ces journées nationales d'action contre l'illettrisme, elles ont aussi pour vocation, alors évidemment de sensibiliser les acteurs, ceux qui... Mais je dirais, je suis sûre que dans cette salle, il y en a plein qui sont déjà très sensibilisés. Donc tant mieux, ça en remet une couche. Et puis s'il y en a qui l'étaient moins, tant mieux, ils vont repartir avec encore plus d'acquis. Mais je veux dire, c'est vraiment cette idée-là de faire savoir aussi aux personnes qu'il y a des choses qui existent. La question des JNAI, elle est donc là aussi pour en parler. Alors en parler, je vais revenir sur un certain nombre de choses. J'ai beaucoup aimé ce qui a été évoqué autour de tous les tabous, tous les a priori, toutes les représentations. J'ai souvent dit, à l'époque où j'étais formatrice et où je travaillais avec le service public de l'emploi, avec les travailleurs sociaux, en disant, mais enfin, mais vous en rencontrez pas des gens en situation d'illettrisme, mais quand vous en voyez... Et j'ai souvent constaté qu'en fait, on parle de stratégie de contournement du côté des apprenants, mais il y a des stratégies de contournement du côté des accompagnants. Avec tout ce qu'on a vu, on n'ose pas en parler, on ne sait pas comment leur dire, on se dit, c'est pas l'urgence, on verra la prochaine fois. Je pense aux gens qui sont dans des structures d'insertion par l'activité économique, je pense à des gens qui sont bénéficiaires du RSA, où on dit, c'est pas l'urgence. Mais si on repousse indéfiniment, c'est jamais l'urgence. Et si c'est jamais l'urgence, on n'en parle jamais avec les personnes. Donc ça, c'est extrêmement important de se dire, il faut vraiment oser. Et quand les personnes concernées disent, le jour où enfin quelqu'un m'a tendu la main et m'a posé la question et à qui j'ai enfin pu expliquer où j'en étais et comment ça se passait pour moi, j'ai été libérée. C'est le mot que j'ai retenu aussi. Et c'est la réalité. Beaucoup des personnes témoignent de ça. Donc ça veut dire que quelque part, on est tous... Quelles que soient nos missions, quelles que soient nos fonctions, on est tous, à certains moments, peut-être en capacité de saisir cette parole ou cette difficulté et d'essayer d'en faire quelque chose. Alors par contre, on n'est pas tous des professionnels de la lutte contre l'illettrisme. Et c'est aussi la crainte de dire, mais je ne vais pas avoir les bons mots. Oui, mais une fois que, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas vers quoi l'orienter, je ne sais pas. Et alors toutes ces craintes, elles sont aussi tout à fait légitimes. Repérer les difficultés d'une personne... sans avoir rien à lui proposer, je ne vois pas l'intérêt. Ah bon, vous avez ces difficultés, ben écoutez, au revoir, rentrez chez vous, je ne vois pas l'intérêt. Donc,
Voilà, tout ça pour dire que il y a la question de comment chacun prend sa part. Alors, je ne vais pas revenir sur la métaphore du colibri de Pierre Rabhi, mais je pense que beaucoup la connaissent. Si chacun, même avec son, ses tout petits moyens, fait un petit peu quelque chose dans le même sens, c'est ça qui peut permettre que les choses avancent. On est aussi parfois dans un système où on est un peu en tuyau d'orgue. Alors, il y en a, effectivement, leur mission, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est ça. Il se trouve que par rapport à la lutte contre l'illettrisme, si on ne s'appuie que sur les gens dont c'est le cœur de métier, on est mal. On est mal parce que la question de la lutte contre l'illettrisme, elle est effectivement portée par peu de gens. En revanche, et là du coup je vais reprendre un peu ma casquette un petit peu institutionnelle, qu'est-ce qui fait qu'on arrive quand même à faire avancer un petit peu les choses? C'est de réunir, alors c'est le slogan de l'agence, réunir pour mieux agir. C'est aussi, alors, au niveau régional, on essaie de mettre en place des plans régionaux. Un plan régional, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de rendre visible, lisible, ce que chacun s'engage à faire. Chacun peut contribuer, que ce soit tel ou tel service de l'État, que ce soit le service public de l'orientation, le service public de l'emploi, que ce soit tel réseau de professionnels associatifs, que ce soit des acteurs de la culture, des acteurs aussi de la petite enfance dans le champ de la prévention. Bref, l'idée du plan régional, c'est aussi ça, comment chacun va prendre sa part et comment on va essayer d'organiser ça pour arrêter un petit peu d'être en tuyau d'orgue et pour arriver à fonctionner peut-être de manière un petit peu plus horizontale, un petit peu plus transversale. J'en profite pour insister aussi toujours sur le rôle des centres ressources illettrisme, qui sont un peu des interfaces. Alors, j'ai été bien sensible à l'interpellation d'Anne Vinérier sur... Il faut que les choses, elles remontent aussi des acteurs, des besoins, des personnes, de la base. Oui, moi j'ai souvent tendance à employer un petit peu ce schéma-là et de dire il faut une impulsion nationale, il faut une volonté, il faut des financements. Donc il faut qu'il y ait quand même au niveau national quelque chose. Mais ça ne suffit pas, parce que ça va pas suffire à faire communiquer ces fameux tuyaux d'orgue et à faire en sorte que les choses avancent. Il faut aussi partir des besoins des personnes et des besoins des acteurs. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui savent au quotidien de quoi ils ont besoin pour avancer et pour faire davantage de choses. Et alors moi je dis toujours, en fait, il faut que les deux s'irriguent mutuellement et se rencontrent. Donc voilà, je ne vais pas faire long. En tout cas, tout ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des représentations à changer aussi. On est tous parfois confrontés à des a priori. On a des réactions dont on ne se rend pas compte de l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors, se dire que, voilà, parler à une personne de ses difficultés, ce n'est pas la stigmatiser. Et si c'est fait avec bienveillance, c'est au contraire entamer le dialogue. Et j'ai beaucoup aimé le mot de parité. J'ai été formatrice pendant des années avec des publics en difficulté, et bien souvent, c'était eux qui m'apprenaient beaucoup de choses. Et on s'apprenait mutuellement. Et c'était un vrai bonheur de travailler ensemble, en fait. Donc... voilà, si on est dans cette disposition-là, on se dit, mais oui, bon, moi aussi j'ai des problèmes. Je suis toujours en retard, je ne me repère pas dans l'espace, je suis contente qu'il y ait des GPS maintenant, parce qu'avant c'était catastrophique. Voilà, et chacun peut avoir à un moment voilà, des difficultés. Ce qui est important, c'est d'être en parité et solidaire. Et puis peut-être un dernier point, sur la question du non-mélange des publics, je vous remercie vraiment d'avoir donné ce petit contre-exemple. Je dirais les deux sont vrais. Il y a un moment où reconnaître la spécificité des besoins des personnes en situation d'illettrisme et mettre en place une pédagogie qui leur correspond, c'est indispensable, c'est nécessaire. Et il y a d'autres moments où faire travailler les personnes ensemble, où elles vont s'entraider, à partir du moment où elles ont un objectif commun. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. On voit ça parfois dans des entreprises. Il y a une démarche qualité, il y a le numérique qui arrive dans l'entreprise. Bref, dans l'entreprise, il n'y a peut-être pas suffisamment de gens de chaque profil pour faire, bah oui, un groupe pour des personnes qui relèvent du français langue étrangère, un groupe pour des personnes de degré 1 en illettrisme, de degré 2. Il y a des moments où on est un peu obligé. C'est pas simple, parce que les personnes n'ont pas les mêmes acquis. En revanche, si elles ont un peu un objectif partagé, on peut à certains moments les faire travailler ensemble et à d'autres moments les faire travailler sur leurs besoins à elles. On peut mixer. Mais je suis d'accord qu'il faut malgré tout éviter, en tout cas pour les personnes qui démarrent leur parcours de formation,
parce que voilà, les témoignages qu'on a eus me paraissent vraiment tout à fait refléter la réalité et le fait de ne pas avoir envie d'être avec des gens qui ne sont jamais à l'école et qui ne parlent pas le français alors qu'eux s'expriment parfaitement en français. Donc, il faut le retenir. Et puis, un dernier point. J'ai vraiment envie de parler aussi de la résistance au changement qu'on peut tous rencontrer. Les personnes en situation d'illettrisme quittaient quelque part cette situation-là pour aller vers la situation de lecteur. On a vu tout ce que ça voulait dire en termes d'identité. C'est complexe. Et ce changement, il est majeur. J'ai envie de dire qu'il y a aussi plein d'acteurs qui sont, eux aussi, d'une autre manière, un peu enfermés dans leur propre pratique, dans leur propre réflexe, où ils disent, bah oui, ça, j'ai pas le temps de le faire. Ah ben non, mais ça, c'est pas possible. Ah ben ça, on pouvait il y a 20 ans, mais maintenant, on peut plus. Ou alors, ah oui, oui, ok. Ah oui, les dispositifs ont changé. Alors avant, c'était l'État. Ah ben maintenant, c'est la région. Ah, il va y avoir un autre dispositif au niveau de l'État. Ouais, enfin, au final, on va garder les mêmes outils. Et puis on va refaire comme on faisait d'habitude, ça marchait pas si mal. Excusez-moi d'être un peu provocatrice, mais je veux dire, voilà, c'est pas toujours facile d'avoir aussi la disponibilité, les moyens, de se remettre en question et de se dire comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques. Tout ça pour dire que, voilà, les choses, elles avancent aussi quand il y a un cercle vertueux. Quand il y a d'un côté des besoins identifiés, d'un autre côté des formations, des dispositifs. Mais ça, ça suffit pas. Il y a, alors le côté maillon, hein, ou le côté chaîne aussi, hein, je vous l'emprunte, il y a des maillons indispensables. Sensibiliser des professionnels pour repérer les situations d'illettrisme, c'est indispensable, s'il y a un dispositif. Hein. Faire en sorte qu'on puisse élargir peut-être les gens qui vont être au contact des personnes et leur parler de la formation, peut-être que c'est envisageable aussi. Il y a tout un tas de pistes de solutions. Toujours est-il que c'est bien avec un certain nombre d'étapes. Des besoins uniquement, un dispositif uniquement, les deux ne se rencontrent pas. Il y a tout un tas de maillons, d'étapes intermédiaires qui sont importantes. Et je reviens aussi sur la question du rôle du CRI. Sensibiliser, informer, proposer des temps de rencontre, des temps de professionnalisation, c'est ça qui permet aussi à tout un chacun peut-être de s'approprier encore mieux la problématique et puis de travailler avec les autres. Voilà, je ne vais pas... faire plus long, je vous remercie juste, je remercie vraiment, j'ai passé l'après-midi, je ne l'ai pas vu passer, donc je vous remercie, c'était vraiment passionnant, et puis je vous remercie tous aussi de votre écoute, et voilà, quand le plan régional sera, il est en train de s'élaborer, j'espère pouvoir y intégrer les besoins des apprenants que j'ai sollicités sur plusieurs territoires, parce que c'est eux aussi qui peuvent nous dire quels sont leurs besoins. On reviendra de toute façon hein, sur les territoires pour vous dire où en est ce plan régional, comment il permet de mixer les priorités nationales, régionales, des acteurs, et comment on peut essayer d'avancer collectivement ensemble. Merci beaucoup.